Hey YouTube, record du coup de pourquoi est-ce que G2 a gagné contre BDS, ou plutôt pourquoi est-ce que BDS a perdu contre G2. C'est parti, dites bonjour à YouTube. Within seconds of going into the server, Alamout is immediately putting in the trash talk. Good luck. You will donné 10 euros à quelqu'un ou pas? Personne n'a trouvé le personne. Thatcher, the first one banned out. Oh, we're getting some of the ways. I don't know if I can hear you guys well enough. You'll need to work a little bit harder than that, but of course it's still early in the day. The Nomad taken on out by BDS. Yeah, first few bans to go. It does mean that all the ranged hard breach and all the kinds of things that BDS, especially starting out on the attack, have been left in. Last time we saw BDS play on this map, we saw them bring along some pretty interesting stuff. On a vu le match, hein. Il y a quand même des éléments que je vais passer. Enfin, j'espère que vous avez vu le match. Second quarterfinal of today. G2 starting out the defense are going to take us over to one of the leaders reading as the first bomb site of choice over on the second floor. Ils seront au Six l'année prochaine. Non, non, pas qualifié au Six. BDS n'est pas qualifié au Six. Et la raison, c'est de savoir pourquoi ils ont perdu contre G2. In the first half here, being on defense on Cafe. Peng, you said it in the first match today, but when you're on stage, when the pressure is on, starting on defense is like a nice cool blanket to calm you down, steal your nerves. Bon, ça c'est vrai que... C'est vrai que... Alors, je sais pas s'il a été mis à jour. Désolé, hein, il y aura des analyses, etc. Si ça vous saoule, allez vous faire enculer. Ah! CGG, les maps, competitions, Blast Major Atlanta, sur 11 play, est-ce que s'il y a tout dedans, est-ce que ça a été update ou pas? Oui, je pense. J'espère, puisque là, pour le coup, c'est les bons matchs. C'est les bonnes demi-finales. Juste, je regardais un truc. Hein. Donc, Bridé est le seul joueur de chez BDS. Ils ont joué les quarts. C'était les quarts hier. Donc, les stats s'arrêtent au bon moment. Donc, Bridé est le, en termes de, est celui qui plante le plus. 22 plantes. C'est presque deux fois plus que le deuxième. C'est pas... on en reparlera, ça. Enfin, peut-être qu'on en reparlera, en l'occurrence. Mais déjà, un Rainbow Six, bah voilà, quoi. Tu plantes ou tu fais des kills. On en reparlera. Je regarde les autres trucs. Autrement, il n'y a aucun autre joueur. Individuellement, aucun autre joueur. Même un Mowgli arrive à être en entry alors qu'il s'est fait, alors qu'il a, normalement, j'imagine, puisqu'elles ne sont pas pondérées, une journée de stats de moins. Shinka arrive à être en clutch alors qu'il a une journée de stats de moins. À voir. Bon, déjà, après, c'est rien, ça reste des stats. Hein. Mais bon, le truc qu'on peut dire, c'est que individuellement, en termes de cliquer sur des têtes, ça n'a pas cliqué des masses. Quoi. Ou en tout cas, pas assez par rapport au niveau des personnes qui étaient restantes. Sheiko. Avec un survival raid de pas terrible. Bon, après, il est entré, donc... ça veut pas dire grand-chose.
Bon, vite fait, hein, j'ai regardé un petit peu. Ça veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est quand même ça, quand même un bon truc, quoi. Opponent to make the first move. Pretty extended hold over there in shop for G2 as BDS start to make their approach into the BDS trop téléphoné, pas assez incisif pour le coup. On reçoit les commandes Ali en combien de temps? Je sais pas, Rose. Franchement, j'en ai aucune idée. À proprement parler, j'ai jamais moi commandé, donc je peux pas te dire de mon expérience personnelle. Bon, déjà, c'est vrai que commencer. Du coup, attendez, c'était pas ça que je voulais voir, je suis vraiment désolé. À la base, je me suis laissé emporter par les stats individuelles, alors que c'était pas du tout ça que je voulais voir. C'était, est-ce que sur le Major Atlanta, est-ce qu'on est plutôt sur une map café qui serait une map qu'on peut définir comme étant offensive-sided ou defensive-sided? Donc c'est l'une des maps les plus defensive-sided, ça avec 64-67 Oregon sur 13 play. Bah, elle n'a pas été énormément jouée non plus, café. Elle n'est pas la plus defensive-sided, hein. Au-dessus, il y aurait du Skyscraper, il y a du Oregon, bien évidemment, dont on a vachement parlé, et Consulat. Bon, après, ça, c'est que ça manque encore de méta d'attaque, quoi, ou d'expérience d'attaque sur la map. Néanmoins, bah déjà, dans le petit jeu de qui commence quoi, avec le stress de monter sur scène... C'est vrai que, comme il le dit en prenant la voix de le en prenant le la citation de Pengu, when you have the pressure of the stage, starting as a defense is a nice little blanket. Donc c'est voilà, je pense que c'est pas mal dans le sens de prendre l'aspect de se rappeler que commencer en défense quand t'as le stress de la scène, etc., c'est important. Parce que même à ce niveau-là, on le rappelle, commencer en défense, c'est des attaquants qui doivent faire quelque chose et des défenseurs qui doivent les en empêcher. Et c'est pas 50-50, quoi. C'est pas vraiment des attaquants qui doivent faire des choses et des défenseurs qui doivent pas faire des choses, ok? Hein, puisque les attaquants se battent contre 5 défenseurs, mais ils se battent surtout contre la montre, ce qui n'est pas le cas des défenseurs en l'occurrence. Donc commencer en défense, c'est quand même sur une map qui est relativement visiblement à 60% plus defense-sided, c'est quand même un petit confort qui n'est pas désagréable. Looking for someone from BDS to overpeak him. Thus far, it's Alamal who fires up, peeking the red hatch. He said, Shaiko, we're coming for you. And in the first round, bon, après, il perd 80% d'HP dans le trade, hein, c'est pas... En revanche, de venir attaquer comme ça sur une défense, une open hatch en early, ça montre déjà le mindset, quoi. T'es libéré, t'es pas... Tu t'as pas joué depuis 3 jours. Tu montres que t'as pas peur, quoi. Patience from BDS, they're waiting for someone to overstep. Uno on the other side does not get caught. It's in fact Alamal first, but Uno to trade. Once again, he dons this G2 jersey, and once again he finds himself on a stage representing one of the most esteemed teams in Rainbow Six. Putain, mais les mecs qui mettent pas leur caméra, ça me trigger. So far between these two teams, but Benja is not ready to give it up. Breedé on the other side, oh, is he looking the right way? I think there might be a bit of protection on his right, stopping him from being taken down by Benja over in the stage. Un goût à conseiller, le White Peach là qui vient de sortir. Il reste à combien de temps là sur le round? On n'a pas la vue du dessus, mais en fait, on imagine qu'ils ont envie de squeeze le mec qui est à l'intérieur de son piano et derrière de faire un push sur site et de prendre un contrôle du cocktail, quoi, avec un jump. Ouais. Là, c'est individuel. Merci, Eziken. Merci pour les 5 euros, poulette. T'es un monstre.
Tu penses qu'il va y avoir du reshuffle chez BDS suite aux derniers échecs? Je sais pas, je pense que d'un côté, c'est difficile parce que d'un côté, c'est une équipe, ok. D'un côté, il faut essayer de se dire peut-être que la problématique vient d'une personne, ok. Mais d'un autre côté, il faut surtout ne pas tomber dans la facilité de se dire que la problématique vient d'une personne, ok. Donc moi, j'ai tendance à dire oh, attention avec les. Je vois une équipe, elle vient de perdre. Je vais prendre celui qui, pour moi, a fait 2-3 merdes parce qu'elles étaient mises sous la loupe de l'observation. Plus les stats, tableau des scores, Renshiro est en bas, faut qu'il sorte. Machin est en bas, c'est à lui de dégager. C'est des visions assez simplistes, quoi. On est tous d'accord pour dire que la communication est extrêmement importante sur Rainbow Six. Donc déjà, c'est l'un des éléments qui est dans les plus importants sur lequel on ne peut pas avoir de feedback, d'accord ? Nous, on peut du coup que juger par le prisme de l'observation. Donc du coup, il manque quand même pas mal de détails pour pouvoir dire celui-là est out ou celui-là est out. Ou on devrait le sortir, quoi. Comme le PSG et leur coach chaque année. Après, il y a d'autres considérations. Hein. C'est que plus un club est attendu, ok, comme le PSG et leur coach chaque année, mais bon, ça a été pareil dans toute l'histoire des grands clubs de foot. Hein. Tu vois, Barça a fait pareil, le Real Madrid a fait pareil avec des mecs. Si vous regardez, c'était quoi ? Franchement, j'ai regardé un truc sur le foot il n'y a pas trop longtemps, je ne sais plus ce que c'était. Ah, c'était sur la vie de Beckham, là. C'était pas trop mal pour le coup. Quand il va au Real, tous les 5 mois, il y avait un coach qui sortait, quoi. 5 fucking mois, quoi. 5 mois, au revoir. 6 mois, au revoir. 8 mois, au revoir. 4 mois, au revoir. Bon, bien sûr, il y a une logique de ça fit pas, donc on change. Donc ça, c'est une possibilité, hein. Voilà. Mais il y a aussi le fait de se dire que c'est aussi un coup de com'. OK ? De temps en temps, quand on a... surtout quand tu prends un mec comme... À l'époque, comme un Beckham, quoi. Le but du jeu, c'est de comprendre qu'un club, c'est pas forcément ses joueurs, c'est aussi le merch qu'il y a derrière, donc c'est le marketing qu'il y a derrière. Donc du coup, tu donnes un petit peu aux mecs qui comprennent parfois rien au foot, tu leur donnes un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. À savoir, un bouc émissaire, un responsable. Parce que les gens veulent un responsable, tout le temps. S'il y a une perte, c'est dû à quelqu'un. Ça peut pas être la communication, ça peut pas être les stratégies, non. Si c'est les stratégies, c'est l'analyste. S'il n'y a pas assez de plantes, c'est le support. S'il n'y a pas assez de kills, c'est nanana. Tout le temps, tout le temps. Et voilà. Mais BDS, c'est pas le fucking Real Madrid, quoi, tu vois. Bon, ils s'en foutent de leur merch, hein, en l'occurrence. Donc, ils n'auront aucun problème à un moment à dire alors, le supporter, bon, allez vous faire enculer. En fait, on décide, quoi, en fait. Hein, c'est pas vous qui allez nous mettre la pression, quoi, tu vois. Vous n'êtes pas des actionnaires. Hein. Donc, ils ne vont pas virer comme ça. Néanmoins, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne peut pas y avoir une problématique individuelle qui est à regarder aussi. Hein. Mais c'est compliqué hein, de se dire à l'heure actuelle je vire quelqu'un, mais pour le remplacer par qui ? Hein ? Pour le remplacer par qui ? Parce que c'est comme dans une entreprise, hein, à des postes à très haute responsabilité, c'est compliqué, tu le remplaces par qui ? Par quelqu'un qui faisait un poste... sur une autre entreprise qui n'a strictement rien à voir, hyper compliqué. Du coup, il va falloir, pendant un an, si ça se trouve, le mec, il va falloir le former. Tu vois, il faut prendre le pari de se dire, bon, ce mec-là va être meilleur, mais dans un an, peut-être. OK ? Bah, dans les équipes, c'est un peu pareil, quoi. Si tu le remplaces par... Tu prends n'importe quel joueur de chez G2, là. Tu prends le meilleur joueur de chez G2. Tu le fous chez BDS à la place de la personne que tu as envie de remplacer. OK ? Combien de temps avant qu'il soit efficace ? Et combien de temps, du coup, avant que l'engrenage s'incruste dans la machine et que la machine, elle tourne rond ? C'est compliqué. Hein. Donc, parfois, il y a des équipes qui sont bloquées dans l'inertie. Elles se disent j'ai peur, en fait. En gros, c'est partir du principe que tu sais ce que tu as. Tu te mens un peu parfois à toi-même aussi. Hein. Mais tu sais ce que tu as. Et tu ne sais pas du tout ce que tu auras. Et ça, c'est compliqué, du coup. Et ça favorise pas le fait d'avoir des personnes qui vont tester de temps en temps. Tu peux pas vraiment te permettre de tester, etc. D'où l'importance d'avoir un sub-top, hein,
D'où l'importance d'avoir pour des équipes comme ça, parfois, une équipe académique, donc une équipe qui est là sur le côté pour avoir la possibilité d'avoir un vivier de joueurs qui est disponible pour pouvoir de temps en temps quand même faire des tests en se disant bon voilà quoi. Merci Dano d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité. T'es un monstre poulet. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour Nano, le généreux donateur. Il offre la possibilité à Jin SSG push or fold. Chouchou 2000 passé droit au campus. Chouchou 2000, Ferox CRS, Diabolik BTK, Ilkokoli, pardon, Kinao, Ikriskas, Yo, comment ça va poulet, Kikin Ferox, et Espion TV, leur droit de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Nano, s'il vous plaît. Merci Mills aussi pour les 13 mois. Merci Excelsior pour les 38 mois. Vous êtes des monstres, les amis, Diaboli vraiment. BTK passé droit au campus. Je pense pas que BDS a une équipe académique. Non. Non, je pense pas que BDS a une équipe académique. Il cocoli passe et droit au campus. Ça, je suis même sûr que c'est... qu'ils ont pas une équipe académique, ça. On le sait tous, quoi. C'est pas faute de les avoir poussés à avoir une équipe académique. Mais après, c'est facile à dire, quoi. Après, faudrait voir, en fait. Faudrait parler avec les joueurs. Hein. Eux seuls. Enfin, pas forcément, pas eux seuls. Parce que parfois, ils sont quand même... ils sont biaisés par le fait de faire partie de l'équipe. Mais il faudrait quand même les écouter pour savoir ce qu'ils pensent être comme étant la raison ou les raisons de l'échec. Merci Ansir, vous êtes des monstres les amis. Merci pour les 8 mois de super étudiants, putain la vache. Merci poulet. Faut avoir des... Il a pas de chat là. Hein. Là il y a une partie de chat quand même. Hein. Là il y a une grosse partie de chat quand même. Hein. Alors, c'est une chat qui est provoquée. Parce que faut avoir les balls. Franchement, je suis sur un stage. C'est mon match, j'ai pas joué depuis 3 jours. Je suis en défense. Je tente pas une agression vers une trappe, quoi. Ou alors c'est un acte désespéré, quoi. Parce que je m'en prends plein la gueule, j'ai deux capitaux à droite et à gauche. What the fuck? Merci Apollo pour les 4 mois de frais de scolarité. Un monstre, poulet. Apollo-Antoine, passez droit au... Vous êtes des monstres, les amis, vraiment. Donc, je sais plus ce que je disais. En tout cas, ouais, les mecs jouent détendu chez G2. Et on y reviendra parce que moi, s'il y a bien un truc sur lequel j'aime me pencher, même si j'adore les stratégies de Rainbow Six, même si j'adore machin, moi j'adore la psychologie en fait. J'adore les éléments qui sont derrière les aspects psychologiques d'une équipe ou en tout cas de ce qu'elle transpire, quoi. Je vais peut-être tomber dans des extrêmes et au final, les gens me diront peut-être entre guillemets, ça te regarde pas, tu vois. Mais on reviendra plus tard sur un truc, moi, sur lequel je me pose des questions, qui m'interpelle et qui pourrait être mieux, je pense, chez BDS, quoi. Quand on les compare, par exemple, à d'autres équipes et en particulier G2. Bon, ça c'est inadmissible quoi. Là on a une équipe qui a peur hein, en face. C'est le move d'une équipe qui a peur. À voir. Hein. Après ça peut être la peur créée par la fatigue, plein de trucs. Hein. L'impression c'est que des impressions, hein. Comme je disais. Il manque beaucoup de data pour être persuadé des choses. Tu disais que t'avais eu la confirmation que j'allais remplacer Sheiko. Oh, on est nique ta mère, putain, Nano, continue de me payer des subs, c'est ta seule façon d'avoir un nom dans la communauté Rainbow Six, ok? Tu pues la merde sur Rainbow Six, ok? À chaque fois que je te vois jouer, j'ai envie de me harakiri une couille, ok? D'accord? Tu es une honte à ce jeu, donc ferme ta gueule et continue de me donner des milliers d'euros pour que moi je continue de faire des trucs sur Rainbow Six, ok? T'as fini, enculé? Bonjour. Merci infiniment Nazek pour les 3 mois. Il n'y a pas de peur. Vous avez vu comment on joue sans peur?
Ils jouent réellement, hein. Ils jouent leur, les agressions vers l'extérieur, etc. Elles sont nécessaires, on en reparle et tout. Mais il y a le fait de savoir ce que tu dois faire et le fait de le faire, c'est quand même deux choses différentes, quoi. Là, il vient d'agresser une fenêtre comme moi je le ferais dans, dans une ranquête, quoi. Et encore une ranquête où je suis totalement détaché de la volonté de gagner. C'est chaud, hein, franchement. Hein. C'est... Ça joue détente, quoi. Et ça, ça en dit long, en fait. Peut-être que je vais trop loin, tu vois, mais on y reviendra. Mais ça en dit long, quand même. Dès premier round, quart de finale, t'as pas joué depuis 3 jours et t'es détendu. Ça en dit long, en fait. Ça en dit long sur la préparation, ça en dit long sur ce qu'il pourrait y avoir derrière, sur les mises en condition sur les joueurs. Vous avez juste envie que je ferme ma gueule et que je parle pas, en fait. C'est ça, le truc. Vous avez envie de me spammer de sub et que je ne puisse plus parler, en fait. Vous avez envie de me casser les couilles. C'est-à-dire que quand je suis en train de jouer à un jeu pépère où vous pouvez me faire des subs, il n'y a pas de problème. Là, j'avais envie de parler, j'avais envie d'échanger, etc. Vous me spammez ma gueule, j'entends rien. L'autre conne, elle est en train de donner tous les noms dont on n'a rien à branler. Totalement rien à branler. Hein. Et ça, ça vous fait marrer, ça. Ça, c'est ouf. Hein. C'est-à-dire que même dans l'acte de soutien, vous êtes des chiens, en fait. SKM-BA31 passé droit au campus. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai rien d'autre à dire. Merci du coup aux deux chiens Nano qui offre la possibilité à 20 personnes de payer des droits de scolarité. Pour Nemesis, Ruby, Azurich, Beetleju, SKM, Liam, le père Fouras, la clé, Meunier Corentin, Badoxis et Akiria Lunas font tous payer leurs droits de scolarité grâce à la putain de générosité de Nano 26 12 90 12 2 3. Ok. Merci Ancir. Qui offre la possibilité à... Je vois 20 et 20, c'est trop chelou. Mais en finale, il n'y en a que 4. 20 et 4, hein, 24. C'est droit au campus. Non, c'est ça. T'as pas donné 40 subs, quand même. Si ça paraît pas. Bon, bref. Merci, en tout cas, à toutes les subs à qui t'as payé, quoi, tu vois. Des trucs de ouf. Donc, t'as pour Sunrise, pour Bottleneck, pour Mr. Hyde, pour Zbeb, pour Le Bigoula, pour Gunmi, pour Kings, pour Fabio, pour Scansin, pour Pite, pour Neros, pour Mécanique, pour Eustace, pour Sin, pour Gaël V8, hein, qui bosse chez Free, mais qui paye pas sa droit de scolarité, ce fils de pute, pour Matzo, pour Kaku, pour Mr. Freeze, pour Zezox et pour Akeri. Ok ? C'est bon, je peux y aller. Vous avez décidé. Si vous voulez me casser les couilles, faites-le maintenant. On vous attend. C'est fini ? Est-ce que je peux continuer ou pas ? Ça, vous êtes en train de niquer la vidéo YouTube en plus. Vous êtes vraiment des chiens. Et mon sub. Merci Oni Gaming. Quoi, ton sub, toi ? Comment ça, t'as... Ah, merci Oni Gaming d'avoir offert à Nano Marteau ses droits de scolarité. Nano Marteau. Merci Korzak pour les 5 mois. Est-ce que je peux parler ou je coupe les alertes ? Neros, il passe ses droits au campus. Baisse ta mère, Nano. T'es un fils de pute. T'es un fils de pute de riche suisse. Mécanique 78, passe ses droits au campus. Nique ta race, franchement. Moi, j'attends. Eustace 30 paie ses droits au campus. Là, vous vous dites, il est con. On paye des droits de scolarité et tout. Il le fait juste pour me faire chier. Hein. Vous vous en rendez pas compte. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement au final. Tu vois ? Il n'est pas le genre de mec qui va aller voir un clodo et qui va lui donner de l'argent. Non. Il est le genre de fils de pute qui va aller voir un clodo et qui va lui donner 1 euro. 1 euro. 1 euro. Merci. 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 1000 fois comme ça. Mais juste pour le faire chier, en fait. Droit au campus. Je continue jusqu'à ce que tu dises « Ok, on fait un match des héros prochainement. » Mais mec, mais jamais droit au campus. Non, Nano, vous êtes nul à chier, ok et les gens, on avait marre, en fait, de voir vos gueules. Ça commençait à décliner, mon gars. Droit au campus. Non, 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 non. Vos femmes, à la limite. Vos femmes, à la limite. Ça, je veux bien. Ok. Là, on fait un truc, je te l'ai déjà dit. On fait un concept exceptionnel, ok ? 1, vous faites jouer vos femmes.
Je plaisante pas. Si elles perdent des matchs, ok, ou des duels, vous avez le droit de niquer la femme de l'autre. Sunrise 62 passé droit au campus. Eh si, ça me paraît une bonne idée, ça. Et ça, mon gars, 100 000 subs. Ça, les gens vont du coup se réintéresser. 100 000 views. Les gens vont se réintéresser à Rainbow Six, se dire gna, je vais devenir le Jinxy de Rainbow Six version française, ok? Ils vont se dire, oh, le concept est ouf, genre vraiment. Et quelque part, vos femmes, indirectement, auront aidé la communauté Rainbow Six. Et ça, ce serait pas mal quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends pourquoi Six n'a pas de meuf maintenant. C'est ça. Ouf, enculé. Pomate. Wow. Pourquoi il y a marqué pomate, pomate? Ramirez-265 passé droit au campus. Le poulain passe droit au campus. FDKZ passe droit au campus. J'ai l'impression d'être une caissière avec des bip 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 tous les jours. Passe droit au campus. Bip bip. Mais pourquoi t'as lâché 100 € pour faire ta blague? À partir de 10 €, la blague était pareille. Il a fallu que tu lâches 100 € fils de pute. Tu pouvais pas juste faire. Tu mettais 10 € nique ta mère, la blague était aussi drôle. Il a fallu que tu montres encore à tout le monde. Tout ça parce que t'as un petit sexe, Nano. Parce qu'il part de là le problème. Nano, ton vrai problème, il est que t'as un gros problème d'insécurité parce que t'as un micro-pénis. Vraiment. Et tout part de là. Et du coup, pour essayer de surcompenser, t'es obligé de nous rappeler à quel point t'as plein de thunes, fils de pute. Ok ? Bah nique ta mère, toi. T'es 100 €, je te les rends pas, mais va te faire enculer quand même. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime un peu les Suisses. Non ! Faut arrêter ! Bonsoir. Les Suisses nous prennent pour des vieilles putes, là. De l'analyse du match, on passe sur l'analyse du sexe de Nano. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nano ? Vous avez jamais réfléchi à ça ? À votre avis ? Hein ? Vous avez déjà fait quelques cours de physique ? D'accord ? Eh ben voilà ! Eh ben voilà, c'est tout ! Il a une nanobite, en fait ! Ben voilà ! Moi, je donne les dossiers ! Il a une nanotub, les gars. Une nanotub. D'accord ? D'accord. CQFD. Eh ben oui, ben exactement. Et comme il a une nanotub, ce fils de pute est obligé de surcompenser avec son gros chéquier. Ah, l'autre, elle dit en québécois, la connasse. Baggy Obéan passe droit au campus. Il a 944 passé droit au campus. Math-LMV2 passé droit au campus. Omrid 23 passé droit au campus. À la base, le samedi, c'est un truc chill. C'est mon dernier jour de la semaine. Je bosse 6 jours sur 7. Pourquoi vous faites pas ça le lundi? Le lundi, franchement, je suis toujours déprimé. J'ai tellement la grosse déprime. Franchement, je me dis, putain, j'en ai ras le cul. Faut que j'y retourne et tout. Au tapin. Hein. Pourquoi vous faites ça le samedi? Le samedi, c'est censé être chill. On allait discuter et tout. Pourquoi BDS, machin, truc. Poser et tout. Pourquoi à chaque fois?
Vous vous rendez compte, j'ai pas mon téléphone. Il arrête pas, c'est du harcèlement. Quand est-ce qu'on prend les héros? Quand est-ce que tu veux regarder mon 1v1 contre mon voisin? C'est mon voisin. Je fais un 1v1 contre mon voisin en ce moment, tu veux? Après, j'ai le Guise qui vient me voir et qui me fait « Au fait, Nano, il aimerait bien reprendre les héros. » Oui, j'ai compris, en fait. Oh là là, ça me fait mal aux oreilles, quoi. Tous les jours, le mec, il vient me casser les couilles. Tous les jours, il est là. Quand est-ce qu'on prend les héros? J'aimais bien. Pourquoi il aimait bien? C'était le seul jour où sa meuf lui cassait pas les couilles et il pouvait boire comme un trou. Mais Pew pèse ses droits au campus. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est la vérité. Vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Continuez votre soutien. Ah bah, dites donc. Bon, c'est parti. Merci infiniment à Ansir pour les 20 subs, mec. Meuf, je sais pas, en fait. Mais c'est trop. Merci à Iplouf pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci à MX pour les 38 mois. Merci à Ansir pour les 20 mois de frais de scolarité. Pour Celtex. Pour Akhenaton, pour Tumatone, pour Zololmad, pour Black, pour Lord, pour Runov, pour Herocool, pour Vipex, pour Dr. Bacon, Tiflo, El Dante, Matix, Jay-Z, Emric, Okastyle, pardon, Squazzy, Naze, Noah, le Survivor, grâce à toi, vous êtes, enfin grâce à Ansir, les amis, vous êtes tous étudiants au campus. Merci Nano d'avoir offert la possibilité à 25 personnes de payer leur scolarité. Pour Hydra, Baguio, Ilan, Matt, Tomb Raider, Arya Stallion, Gamer Patate, Beu95, Tigre Francix, Exma Colia, Looping Game Master, Madame Pew, dis bonjour toi. TDL, CRX, FC Anas, Eiko, Budgies, Satyu Lapoule, Lewis Miller, Ratik, Ner, Melissa, Melissa, non, ne... Pardon. Karma, Jids, Bap et Belzipos font tous payer leur scolarité. Merci Krixux pour les 6 mois de frais de scolarité. Nano pour les 100 euros. Nique ta mère, bah nique ta mère toi aussi. Merci Ezikan pour les 15 euros en plus des 5 euros. Merci Proto sans force pour le fait d'être un nouvel étudiant. Skol pour les 5 mois. Et voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Campus, on a compris. Ils payent tous leurs droits au campus. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut y aller maintenant ou pas? Hein? Comment ça? Oh, le boomer. Je sais que je te casse les bonbons, mais c'est parce que je t'aime bien, tu sais. Ouais, bah ça, j'ai bien compris, oui. Ça, j'ai bien compris. Ça, c'est depuis que tu nous as avoué que tu t'étais fait sucer par un moustachu, Nano. Ça a libéré des trucs entre nous, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, comme ça, en plein milieu du kayak. Je me suis fait sucer un jour par un moustachu. Ah ouais, ok, bah écoute, ça fait plaisir. Moi qui voulais inviter mon staff. Hein, vous avez entendu les mineurs derrière? Hein, ça doit être ça, Nano? Putain. C'est bon, en cuissette. Et voilà, ça balance les dossiers. Pas les dossiers, le dossier. En même temps, tu le balances tout seul. Ah les gars, une fois. C'est bon ou pas? J'arrive sur cette révélation, quel plaisir. La prochaine fois, il n'y aura plus aucun tabou sur la prochaine vidéo du Salty Festival numéro 3. Je mettrai tout, quoi. Je mettrai les gens bourrés, je mettrai tout. Et après, je l'enverrai à vos patrons. Ok? Bon. Ok, c'est parti, je vais y aller. On va reprendre. Merci KV pour les 3 mois, vous êtes des monstres. Vous en avez rien à foutre en fait du truc derrière. Vous en avez strictement rien à branler. Vous êtes juste là pour me casser les couilles en vrai, non? Yo Vert, pour une fois que c'est pas moi qui suis sublime, je suis content. Surtout qu'il y avait personne qui parlait, t'as insisté pour revenir sur le sujet. Mais j'avoue. Non mais vraiment les gars. Ah mais ce qui tente quoi. On dirait une ranquette pour G2 là. Non, vous trouvez pas? Merci à vraiment Nano, t'es un monstre. Même si ça me fait chier de le dire. Merci Preston Wesley d'avoir payé à... merci Eziken d'avoir payé à Preston ses droits de scolarité, à Linko ses droits de scolarité, à Lolandais ses droits de scolarité, à Sachlu les droits de scolarité et à Holy Gamer les droits de scolarité. Vous avez vraiment envie de me casser les couilles, hein. C'est ouf. Hein. Faites ça lundi. Lundi, c'est bien. Moi, lundi, ça me donne de la hype pour la semaine et tout. Là, samedi, on était en mode pépouze, là. Hein? On dirait pas une finale, c'est terrible. Ouais, c'est parce que c'est un quart de finale, c'est normal. Du coup.
Ouais, plouf. Ah, je déconne. Mais j'ai compris. Droit au campus. Attends, comment ça, l'Hollandais, t'es first? Attends, t'es qui, l'Hollandais, là? J3 IPS et droit au campus. Attends, mais c'est qui, l'Hollandais, là? T'es qui, toi? Pour avoir un badge first? Emmerich 490 PS et droit au campus. T'étais là depuis le début, toi? T'as changé de pseudo ou quoi? L'Hollandais. Une personne, du coup, qui serait là depuis 2016. Un imposteur. Eh non. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, j'ai changé de nom. Mais c'était comment avant? C'est qui derrière, là? Je veux savoir. Parce que moi, je me rappelle bien. Je me rappelle pas d'une personne... Hein? Voilà. Nasbizodium, PC droit au campus. Follow depuis 2017. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les subs au début. 6100, PC droit au campus. Lutin espion. Ok, tu t'appelais Lutin espion et tu t'es dit, tiens, je vais mettre l'Hollandais, c'est mieux. Campus. Ok. Ah non, mais d'accord, ok. Est-ce que je peux relancer le truc sans que ça me spam, s'il vous plaît? Merci. IMX, PC droit au campus. Iplouf, PC droit au campus. Kaivi-Reba, PC droit au campus. Merci Nano, t'es un monstre poulet. Envoyez des GG et des cœurs pour Nano encore dans le chat. Il en a besoin parce qu'il se sent pas aimé dans la vie. Preston-Bazoué, slay, PC droit au campus. Oh là là. Merci Robifle d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits pour Xarex, Rand, Zephyr, Ateki et Mantalo qui sont tous payés leurs droits scolarité c'est grâce à la putain de générosité de Robifle. Un monstre. Elle tirait bas hollandais PC droit au campus. Salut PC droit au campus. Ok. Bon. Ça joue pas en fait chez BDS là. Ça joue pas chez BDS. Oligame 9527 PC droit au campus. Ouais, ta gueule! Ah, j'avais oublié qu'on pouvait couper le son. Ah, c'est mieux quand même. Alerte, volume. Attendez, TTS, je peux l'augmenter. Et ça, je peux le diminuer. Oh. Ah, mais ça me casse les oreilles, là. Si je remets, là. Ah, ça a pas l'air de marcher des masses, leur truc. Talon PPS et droit au campus. Attendez deux secondes. C'est bon. Rio, je vais te niquer. Rio tiré bassa et bas PPS et droit au campus. J'ai deux secondes, je mets le son. Ok. Là, ça devrait être mieux déjà. Là, ça me pète dans les oreilles, les explosions. Est-ce qu'on peut parler de BDS ou pas? Donc, du coup, BDS, le problème, là, il joue pas en fait. Ok, c'est ça que je veux dire. Il joue pas, en fait. Donc, je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas parce que c'est horrible. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, etc. Mais il joue pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur en tant qu'équipe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur individuellement? Ils ne jouent pas, tu vois. La petite décale, c'est l'avantage de Rainbow Six. C'est symptomatique. Tu le vois, la petite décale de Sheiko qui met deux balles pour péter un truc au sol. C'est pas comme ça, là. C'est pas le pa-pa-pa-pa, là, quand tu mets des petits trucs, des petites décales et tout. Les décales sont comme ça. On a l'impression que t'as activé un espèce de truc de smoothing, là. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de... Le joueur platine, là, un peu... C'est OK, c'est vers là-bas, quoi. C'est vers là-bas. Mais c'est pas comme ça. R6, à ce niveau-là, c'est clac-clac-clac, là, tu vois. Faut aller chercher le pixel. Et là, ça joue pas, quoi. Ça a envie de mourir, en fait, sur les décales, on dirait. Non? Rix 46, merci Rix pour les deux mois.
though BDS spent a long time outside the building, they were reading the early aggression of G2. The moment that they got inside the building, G2 just played that trade game to perfection. They really played it one versus two. If BDS relied on a couple of heroics, and he may have found Alamaz. Let's have a look at these frags. Quite a montage here for Virtue in that round. Four impactful kills, every single one of them. Oh, là, là, d'où c'est une tête, ça, là? Ok, si. Having a huge impact for his team. It was a wall bang to close. How he finds that, I've no clue. Yeah, sharp shots from Virtue. Voilà, des décals, clac, 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 c'est ça qu'on veut. On veut des gens affûtés, là, en mode, let's go, là, on les encule, là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, on sent un peu des trucs passifs, c'est mou du genou et tout. Alors, ça va quand t'as besoin de te mettre en jambe, que ça monte en puissance, c'est bien, t'es sur une map en défense, ça monte en puissance, tranquillement, on pourrait le comprendre pour des défenseurs, tu vois, qui se disent, ok, ok, on laisse le truc venir, on adapte, etc., machin. Mais en attaque, tu peux pas. Tu peux pas, t'es obligé de... Surtout avec des mecs qui sont en phase, quoi. T'es obligé de tac, 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 tu vois. T'es obligé de mettre la pression tout le temps. Et là, ça, c'est mou, en fait. Ouais, ça que je ressens. En fait, Uno n'a jamais eu de trophée. No majors, no pro league finals, no six invitationals. Perhaps this new G2 is the one where he will do it. G2 are taking us over to mining and dining. They're not taking us down into the first floor of kitchen, but instead try to throw a curveball at BDS, see what they can respond with. But as Cafe so typically is, it's a slow start for BDS, ascertaining where the presence is on the map. As soon as Leakafax drone is taken down by Doki, he decides perhaps not pillars as my first entry point. Uno down below is getting ready to contest this. Leaky back there, sorry, Lem's on the rappel there, is feeling a little bit of the danger of the lineup from down below and is going to jump off that for now. Not a whole lot of resistance from G2 on the top floor, just a little bit of it, and it's up to BDS now to pick it apart. But once again, Mandy, I think BDS are waiting for a reaction from G2 so that they can then find the opening pick by punishing early plays, but a C4 goes amiss. However, Alamau jumps straight out the east balcony and takes down Leakafax. Careful for the claymore, he finds one back. Bah, à la limite, la sortie sur le mec qui fait bon, y a pas de claymore, y a pas de truc, y a pas de nomade. Bon, d'accord, ok, ça marche quoi. Mais là, pas de revenge de la part de la personne qui est au niveau de. Il a peur d'une personne qui est au-dessus de lui au final, quoi, et de bait un peu le truc, quoi, mais. Y a pas de trade. Hein. C'est Bridé qui est là-bas. Ok, bon, heureusement, LM se bouge de fion. Well, what do they do now? It's about the translation from the top floor into the ground floor. What bomb site will they hit with the vertical pressure that they have got in their hands? It's Renshiro with the. Sérieux, il vient de dire la même chose que toi, lol. Il a dit quoi? Doki's used his C4, not available now. Shaiko resetting a drone here, always cautious for the flanks. RBDS, they have a read on G2, but what if G2 plays slow? It's up to BDS now to press the attack. Que BDS jouait pas. Bah après, j'ai pas. Moi, j'ai regardé en tant que spectateur hier. J'avais envie d'être en tant que spectateur, pas en tant qu'analyste. Donc, c'est pour ça que je refais le truc aujourd'hui, plus en rentrant dans les détails et parce que ça demande de la concentration, quoi. Mais c'est nul. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on. Il nous reste 27 secondes. Il ne reste plus qu'un drone, effectivement. Ok, bon, il y a du trade, ok, ça c'est cool. Au final, ça va. Mais d'où, Shay fucking Co. Deux fois. C'est lui qui ouvre large en plus.
Now the man who talks must act. 5 seconds. 1v2 for Alamo. The French find their first. Great deconstruction of the bomb site there from BDS. Once they had that top floor control, they knew that flushing. Je sais pas. Est-ce que déjà le fait de dire voilà les gars, merci, c'est pas déjà symptomatique du fait que au final l'IKEFAC lutte contre un truc quoi. Il sent une espèce de d'inertie, il sent une espèce d'inaction de la part de ses teammates. Voilà les gars, merci enfin de jouer le jeu que vous devriez jouer, tu vois. Est-ce que déjà non pas que l'action qu'il fait, elle est est-ce qu'elle est pas est-ce qu'elle caractérise pas une problématique au final quoi, que même lui est en train de sentir, c'est-à-dire que son équipe elle est endormie en fait. On a l'impression de ce genre d'équipe qui va malheureusement se réveiller trop tard parce qu'elle va prendre 3 ou 4-0, de ce genre d'équipe qui au final n'a pas vraiment envie d'être là, ou ça manque un petit peu d'envie de gagner, de pugnacité, ça n'a pas la dalle, et ça attend, comme tel un boxeur, de se prendre 2-3 patates avant de répondre, quoi. Le seul problème, c'est qu'à un tel niveau, le mec qui te met 3 patates en face, c'est pas du street fight, quoi. Et il va peut-être en mettre que 2, et c'est fini, en fait. Et ça s'arrête au bout de 30 secondes, le match, tu vois. Of the bomb site there from BDS. Once they had that top floor control, they knew that flushing Doki out of his position meant that they could translate it down inside of Reading. That was the safe haven that they managed to find in the second floor. And once Alems, it opened up that half of the map to BDS, and they. Despite unable to trade Alamau, trying to jump back inside after his run out on the east balcony, which we now get to see in full HD. No Claymore underneath his window, ironically the only window on that balcony where there was no Claymore. Alamau detects it. 5 seconds left. And finds his opportunity. However, he was not able. He was not able to clutch up. He was not able to clutch up. EDS getting. Ouais, je voulais juste entendre ce que LM disait derrière. Merde, pardon, désolé. Ah, fait chier, désolé. Great deconstruction of the bomb position. The laundry advantage. Opportunity, however, he was not able. He was not able to clutch up. EDS getting fired. J'ai pas entendu ce qu'il dit, LM derrière. They put themselves on the scoreboard as well. It's what you want to be doing overall on the attack. Poor BDS, and look at the lineup that they've got going for them this time around. A lot of zoning operators. There was the Grim that's now being teased out from Breeder, as opposed to bringing. Le chat, vous avez pas des astuces pour gérer son stress en clutch? Genre à chaque fois, j'ai l'impression que le destin du monde repose sur moi tellement j'ai stress. T'as quel âge, Squid Kuna?21 ans, mais je crois que ça vient de moi, je stresse tout le temps. Ok, t'as déjà eu une nana dans ta vie? T'en as peut-être une à l'heure actuelle, tu vois. Oui, il s'est passé quoi la première fois? T'étais pas en mode tu tremblais comme ça, hein? Non, sérieusement. Genre tu trembles de partout, tu vois. La première fois que l'oiseau est sorti. Ouais, l'oiseau est sorti, si tu veux. Ou que t'as planté le diffuse. T'as tremblé, quoi. T'étais stressé, quoi. Qu'est-ce qui a fait que quand ça arrive aujourd'hui, du coup, ça ne le fait plus? L'expérience, ok? Plus tu joues, plus tu feras de clutch, plus tu revivras les mêmes situations, plus tu vas t'habituer au final. Faut pas attendre de toi, sur une première fois que tu connais pas, faut pas trop mettre la pression, quoi. C'est normal d'être nul, c'est normal de rater. Et après, c'est l'expérience qui va faire que la pression va descendre, en fait. Et aussi, il faut savoir lâcher prise, quoi. Hein, le stress, il est créé par la frustration engendrée la plupart du temps par la perte de contrôle, quoi. Ou le contrôle.
j'ai envie de gagner, j'ai tellement envie de gagner, le destin repose sur moi que je me mets une énorme pression et donc du coup qu'est-ce qui va se passer, et donc du coup si je rate ce clutch, c'est vraiment que derrière je suis une merde, je suis nul, blablabla, top là c'est déjà trop parti quoi. Tu prends le problème à l'envers, tu te dis je vais perdre, on s'en bat les couilles en fait. Si t'arrives à te détacher du fait que si tu perds c'est ok, bah c'est là que t'es un bon en fait, c'est là que tu deviens un super bon. Parce que du coup tu vas jouer sans être affecté par le stress. C'est le contrôle. Merci pour le conseil. Tu vas sur Google, tu tapes « Apprendre à lâcher prise » et tu deviendras meilleur sur tes clutches. BDS will have to BDS have had that read and yet have not always been able to punish this early aggression. We saw it in the round just prior with Alamau's early pick. But I wonder now if BDS will be able to reply. It seems 50-50, Mandy. Every time G2 makes an aggressive play, BDS are often punishing it. Well, that's what they've got to do. In the absence of the Nomen, which they banned out, by the way, they now have to account for it in the early round in their approach to the building because they don't have the air jabs to keep G2 accountable. I wonder if Uno will be spotted. There he is. Renshiro pings him out to the team. Uno now knows he's been spotted and he starts to fall on back, but there's already attackers in this top floor. Shaiko's a very sharp shot in those long engagements with the 1X site. Just around the corner from him lies Benjamaster in washrooms. Shaiko gets on the drone, spots him out. Elsewhere, Virtue's failed C4. Means that still we are out of numbers of quality. In goes a nade, but there's plenty of catch here to support G2. This is a really tough spot now for BDS. They have no hard breach. There's no way they're going to be able to deconstruct this position inside of bathroom unless they make their way on in with their guns. Oh! And that's Shaiko on the other side, but he's shut down by Benja. How does Benja find that kill? In no universe should he have done so. There is, however, a okay, la belle revenge quand même de LM's quoi. Down that Gemini before it can disable the utility. Alamau's getting aggressive, but Leakyfac elsewhere has stolen a pick away on site. This is good from Leakyfac. He's taken away a little bit of territory from G2 over on the first, or sorry, it's the second floor. But here goes Alamau rounding the corner onto Lems, but he can take him down. Oh, the trade from Uno. He was spotted early. He cannot be punished late. Still numbers advantage for BDS, but Uno's about to change that. Taking down Leakyfac and putting BDS once again on the back foot. Solid work so far from BDS is they're going to think about this second floor instead of trying to hold on to the top floor. They know that there's only one player that could be in the bomb site, and they're going to try and hit it. Two of the most clutch players in Rainbow Six, Bride and Renshiro on the attack. Je sais pas, hein, franchement, faut voir s'ils sont détendus ou pas, machin, mais là ce que ça ressentait d'hier un petit peu, c'est ce que les gens disent, ouais, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont joué, donc du coup les mecs les ont counter et tout. Je sais pas. Ce que ça, l'impression que ça donne de l'extérieur, et ça vient de confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est on a l'impression qu'il y a une équipe qui veut. On a l'impression qu'il y a une équipe qui veut être là, et il y a une équipe qui veut pas être là. Il y a un rendez-vous, il faut s'y rendre, et il y en a qui veulent réellement qui sont impatients de d'être à ce rendez-vous, et il y a une équipe en face qui a pas vraiment envie d'être là en fait. C'est ça l'impression que ça donne quoi. That was a good pivot from the remaining two players of G2. Virtue and Uno doubling down on their picks inside of the hallway, especially Uno as well. He was in the top floor, he knew he had the vertical lines, but he thought the better of it and held the crossfire. And round by round, Mandy, we see G2 force the issue in this early round. Leading us to late 2 versus 2s, 3 versus 3s, situations that G2 want to be in. Top 10 moments where I wish I learned French right there. It is the other language you want to learn, other than Portuguese, of course. I mean, merci Eziken, merci vraiment, merci pour tout poulet, vraiment, merci pour la générosité. Some really sharp shots from Uno that round. Especially after being droned right at the start, he even comes back in the nick of time to support his team. Alibi is not happy about that one. Disaster. Perhaps we have a BDS fan in the audience. Or three. I think that we've got a couple of BDS fans in the audience today. 5 seconds left before insertion.
They're almost as loud as the G2 fans. Can I hear the G2 fans for a second? Ouais, d'accord. C'est un public ANA, donc c'est forcément des fils de pute déjà. Ils aiment pas les Français parce que forcément on est meilleur que surtout. Ça c'est chiant. Bon, sauf en school shooting. Ça, ils sont vraiment très très forts. Ça, pour le coup, on a un système éducatif qui est pas ouf. Mais ça va. Là, là-dessus, ils nous mettent une branlée, j'avoue. Uno, très bon match aussi, alors qu'il n'est pas connu pour être excellent et constant non plus. Ah. Uno, c'est quand même un monstre. MDR, c'est gratuit. Mais non, mais attends. Il y a un moment... Moi, j'écoute que les trucs anglais, quoi. Même hier, j'étais sur le Rainbow Six FR parce que j'aime bien le chat et ça me fait marrer de faire mal à les casters parce que c'est difficile. Voilà, quoi. Mais j'aime pas les castes en français, quoi. Indépendamment de la qualité du caster, je m'en fous, quoi. J'adore les castes en anglais. Hier, ça faisait des blagues du genre nanana, white flag, tu vois. La grosse blague américaine du drapeau blanc français, tu sais. Fils de pute. Ah, bah oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais nique ta mère. Mec, ils oublient que sans la France, ils seraient encore une colonie britannique, quoi. C'est fils de pute. Tu parles de Columbine quand tu dis school shooting ? Non, je parle de tous les school shootings qui arrivent à peu près toutes les deux semaines aux États-Unis. Oh, il a pas de chat en plus. For the defense, BDS numbers advantage, but where do they make their move? If BDS realize they could maybe have a think about hitting the bomb site right now. No more C4s in the hands of G2, but that being said, Uno's just taking down Renshu, who I believe was out on the rappel, but here goes the rest of BDS. Surely they can at least try and translate this control in through shop. And as the smokes go through, Uno is too far from home to assist. A nade goes through, perfect! Onto Alamau, Shaiko might not know it. And as the Finker Adrenal Surge comes through, BDS have a huge opportunity, shutting Virtue down. Two players on the ground for G2 means it's all up to Benja once again. Against four, Shaiko can easily lap up the final déjà, c'est cool, ça. Forcing Benja into a 1v4, swiftly becoming a 1v3. Breedate does not need to force this. He looks to relocate. Find a more optimal plant position. Bam. Shaiko, quoi de mieux que ton... T'en as besoin de ton mainfragger pour mainfraguer. Hein. But that time around, we really got to see the injections that we wanted to from Leaky Fag and from Shaiko. They went in and they tried to claim the territory of the map that they needed to go and win out the round. They did that with so much confidence. 5 seconds left. Good entries from him and Shaiko between them or on their squad. On the other side, it's a very uneven affair. Virtue and Uno stealing the majority of the kills. But that's the thing about G2. Every single player... C'est déjà pas mal là de 3-2, c'est parfait. Hein. Deux rounds sur café. Là, c'est toujours un 3-3. Hein. Against the Valkyrie, isn't it? However, Doki spots it and protects his Valkyrie cameras for a little bit longer. Lems has just hacked one default camera, but I wouldn't be surprised if G2 clue in pretty quickly and take it down. There are a lot of players on drones right now. BDS taking their... Merci Roro pour les 39 mois. Merci Riggs aussi pour les 2 mois, vous êtes des monstres. Merci Rio Saeba pour les 58 mois, vous êtes des monstres, les amis. Stop, c'est droit au campus.
J'ai pas dit merci tout à l'heure, Rio Poulet. Okay, but here comes that logic bomb, so no more camera access. Benja hangs up his phone quickly and gets straight back onto the video cam. He spots two players. Virtue wants to. Ils entendent rien avec leur casque anti-bruit de la foule. Si tu sens quand même, mais bon. C'est quand même relativement efficace quand même. Good stuff from BDS. They are sitting in the blind spots of the vertical C4 for now. They know that there could be a player down below as there is no players of BDS down there. So they're playing it safely. This is nice as well from LeakyFact. Oh, this could be a bit dangerous actually. The C4 actually misses. Is he going to detonate it? LeakyFact, you've got to be careful on the other side. But the flurry of kills is going in the way of G2. It does, but only barely, Mandy. A single player in advantage. And Shaiko's coming for the backstab. No. Oh, le push est propre, mais... Ah, c'était vraiment pas mal, mais putain, c'est deux fois qu'on voit chez Colo rater des duels, des engagements à courte distance là, sur lesquels pourtant, d'un point de vue purement position, il a quand même l'avantage. Game, basic source of small counters that we can do, and so far the boys with a 4-2 half on defense on Cafe, absolutely spot on, perfect with what we need. Is there anything to say about moving into the second half? Not too much. Again, same sort of thing. BDS, they love Cafe. They feel very comfortable on it. But the reality is, we're just going to prove that we're the better team on Cafe. We're the best team in Cafe in Europe. And how did you feel about the veto as a whole? We've got Chalet and Nighthaven if we get to it. I'm not really sure what BDS were playing out there with those maps. But, you know, they clearly wanted to give us a free win. So we'll take advantage of that. So thank you. Thank you very much, Titan. Confident as always, RG2. And a little bit of insight there. I gotta say, Mandy, whenever you hear confidence come out of G2, ils ont une faculté de communiquer G2 qui est assez incroyable hein, quand même à maintenant. Ils se sont mis dans une espèce d'attitude de montrer une espèce d'extra-confidence mais professionnelle, d'extra-confiance professionnelle, qui n'est pas dégueulasse en fait en stratégie de communication. Hein. Donc c'est-à-dire on fait des petites taunts en disant non, franchement, on va leur montrer qu'on est les meilleurs joueurs sur Cafe et la meilleure équipe sur Cafe. Et si ça, s'ils veulent, même s'ils pensent qu'ils sont très bons sur Cafe, on va leur montrer qu'ils vont nous donner une free win là-dessus. Et sans côté narquois, etc., et sans tomber dans le trash talk, mais et je pense que après c'est toujours pareil, hein, plus t'ouvres ta gueule, plus derrière tu peux jinx un petit peu et porter le karma, quoi. Mais quand ça marche, du coup, quand c'est bien fait et quand derrière ton équipe elle est à la hauteur de ta communication, qui est une communication de sérénité et de force, ça joue, hein, ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental des équipes qui vont les affronter, quoi, en se disant putain la vache. Ça donne l'impression que moi j'ai peur. Ont-ils peur eux? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur. Et ça joue énormément sur le mental. Hein. Si tu montes dans un avion et que t'as peur en avion, ta peur elle est calmée par le fait d'avoir une personne qui est plus peur que toi de l'avion. Et d'ailleurs tu vas tomber dans un jeu où tu vas le rassurer. Et en le rassurant au final, tu te rassures toi-même parce que t'as quelqu'un qui a plus peur que toi. Ok? Donc, de facto, il y a aussi, ça marche aussi, l'inverse est vrai. C'est-à-dire, si tu as des personnes qui te donnent l'impression qu'eux n'ont absolument pas peur à des moments et à des rendez-vous pour lesquels, pourtant, toi, tu as peur, tu dis, putain, la vache, mais s'ils n'ont pas peur, voilà, quoi. Et ça, c'est incroyable. À l'image d'un McGregor qui gagnait même avant même de combattre. Ouais, c'est-à-dire, il faut casser l'image. À un moment, alors quand l'image se casse en revanche, ça fait très très mal, mais à partir du moment où ça tient, à partir du moment où t'as les stats qui viennent confirmer les dires de McGregor qui jouait sur son côté, bon qui jouait mais bon il a un peu une pathologie aussi McGregor quoi, mais bon qui jouait quand même sur le côté fou tu vois. Du coup, c'est encore pire parce que bah, si en face le mec il a un tout petit peu d'éléments rationnels, quoi, t'as l'impression qu'en fait en face de toi tu tombes contre un mec qui a pas de lobe frontal, quoi. Tu vois, un putain de psychopathe. Tu tombes contre un putain de psychopathe. Et dès lors que tu tombes contre un putain de psychopathe, tu te dis ce mec il va se péter une jambe et il en a rien à branler en fait, quoi. Comment tu peux gagner contre un mec comme ça? Et déjà, quand on dit que ça se joue dans la tête, bah, bien sûr, ça joue. Hein? Et là, pour le coup, vraiment, la communication de G2, qui est moins dans le trash talk que pouvait l'être dans un Fabian, mais qui est toujours dans la continuité de ce que pourrait être un Fabian quand même, c'est-à-dire de montrer une forte confiance et un extrême professionnalisme,
C'est quand même. Enfin, moi, je sais que ça m'affecterait, en fait. Je pense. C'est à double tranchant, absolument, ouais. Mais, mais c'est là qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont pas non plus grave confiants, tu vois. Tu peux faire les choses sans Jinx, tu vois. Tu peux dire, notre équipe en face, on le sait qu'elle est très très forte sur café. En revanche, on va leur montrer qu'on est meilleur. C'est pas tout à fait pareil que de leur dire, de toute façon, il pue la merde. Alamau has exhibited none of it as he's already made his way into reading. A nade, unfortunately, for G2 doesn't land. There's not enough info to make it play just yet. I mean, look, he misses one, they've got five more in their pocket. So if they want to get Virtue up the white stairs as well, they could send up... Bon, c'est vraiment très turtle pour le coup. Oh, but Leakerfact does not want to let anyone get past. He will listen to someone running by his hallway and swing. Breedé also supporting with this camera as well. Ben just going back outside now, repositioning. G2 are pushing everywhere at once, except for hard clearing this piano position. Sharko though, he wants to keep it at bay just in case the pressure comes in through later on. Small thing about BDS is, I think they had a good read on the grenades from below. Then were sitting on a hard floor, so they couldn't be grenaded from down below with the vert nades. But now, having vacated the ground floor, have G2. They've gone on to these rappels instead. They're having a think about clearing inside a shop, seeing what they can get inside a cocktail. Actually, one is going to be sent in from down below. That's LML, but it doesn't quite connect. However, we did see Shaco take a hell of a lot of damage from a nade from the skylight. Now Shaco himself has been thrown. He slips out safely back into the bombsite, back past his home, Shaco's spot. And towards the bomb site, another nade to come through here for G2. Putain, le nombre de grenades travaillées par en dessous, mais ça tombe pas. Bah, Doki pour faire un kill. Oh là là. C'est cool qu'il s'était bien replacé pourtant. We did have a team kill amidst the chaos, but it seems not to matter for G2. Bon, après c'était bien solide, hein. Le but du jeu c'était de les deny le plus longtemps possible, etc. Le but du jeu de G2 c'était de mettre une grosse pression sur les escarrouges, enfin une pression en tout cas suffisante pour s'assurer que dans l'escarrouge et dans le piano et dans le cigare il n'y ait plus personne, quoi, que les gens soient allés sur site. Et après au final, au moment où il y avait une seule personne qui était en train de mettre cette pression et d'empêcher le fait que les gens soient sur site, du coup tu te retrouves avec 5 défenseurs qui sont absolument sur le site, qui sont donc exposés aux grenades sur la verticalité positive et au jeu des fenêtres de l'autre côté, quoi. C'est dommage. La différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur le jeu de G2, c'est y a un moment où tu ne peux être... le défenseur, tu peux pas rentrer dans un trou de souris, quoi. Tout à l'heure, G2, on voit une sortie vers l'extérieur, une agression vers l'extérieur, à un moment où on le sent le plus opportun, en se disant, bon, on va pas se laisser manger. On voit que l'étau est en train de se resserrer au nord et au sud... pour nous, quoi. Donc faut tenter quelque chose, quoi. Donc soit tu tentes quelque chose à un moment en disant let's go, on reprend le piano tous les deux, une percée, une contre-attaque, ou alors dès le début t'as un contrôle map qui est plus établi, quoi. T'empêches ce que G2 faisait au final, remet sur toute la map, quoi, avoir des terrains de jeu qui sont beaucoup plus grands, quoi, là où pour le coup un Sheiko ça se joue sur il fait du Messi. Hein, il dodge la grenade, il dodge le piano, on va lui mettre la pression sur le piano, il va rentrer dans le cigare, il pousse un petit peu le cigare, il essaie de mettre une pression sur l'escarre rouge, on lui balance une grenade, il revient chez Eco, il revient sur site. C'est pas évident. Hein. Il faut qu'on se réveille. Dis quoi exactement? You see nothing but frustration on the French faces. Confidence was warranted. You see nothing but frustration on the French faces. It almost looked like G2 didn't have any control on the map through the entire round. They spent such a long time poking and... Comme dit le spectateur, you see nothing from... Enfin, tu voyais que de la frustration sur le visage français, quoi. ...from the control that G2 had down below.
But at the same time as G2 were doing that, they didn't telegraph where their push was coming from later on. They didn't have that control down of red, so they had Shaiko kept at bay there. They had BDS players worried about the front and BDS spike. All they needed to do was win their ones. G2 have been infallible, but neither teams here in Atlanta thus far. But one could also 8-6 over Dusk here, and a 7 overtime against the GK. That's three APAC teams, a MENA team, and an overtime against an NA team. This is by far the hardest game that G2 have had yet, and they're not showing it at all. Now BDS, having lost that last round, it did warrant them to take their tactical timeout, which I think is fair enough. G2 are starting to run away with it, especially with the momentum. And that last round in particular, it felt like BDS had the right idea against G2. They had the read on the attack that G2 were going for, but they tripped over the last hurdle when G2 went in for the execute, even with no map control. So what BDS need to do now is they need to recollect themselves, keep their composure. In fact, when he was very enthusiastically speaking at the end of last round, was due to the confusion that would likely have been on BDS's side. G2 uses all nades, find no kills, you think that BDS is going to be favored. And now Alenz decides, I think it's about time we get spicy with it. Going for an aggressive spawn peek. However, I do not believe anyone from G2 will cross his line of sight. Shaiko elsewhere has gone too aggressive and fallen victim to Alamau, who hits him with the question mark in chat. He continues to play the villainous behavior, but Alenz gets the second... Oh là, je mets un question mark instantanément. To manifest from this piano window. Oh, Lem's being a bit relentless over there on the top floor, but here goes G2. A very linear push inside of Bakery. They've taken no other map control except for Bakery so far, and it seems like it is going to stay that way. The thing they need to worry about now is the vertical pressure from up above from BDS. They have two players, one of them being the Aruni, who's made a couple holes and is having a look in through prep. Alamau wants to spray it on back. G2, for the most part, looking for a very direct push. They have no interest whatsoever in clearing these players above. But they will bide their time. They will play the confusion game. Getting information on the site, identifying... Ils ont perdu le ace en plus. ...looking for an opportunity to make a play. And it seems like it's going to be aided by the utility. Merci standing, trending. Merci pour les 3 mois, poulet. Faut qu'on se réveille. Ouais, faut qu'on se réveille, ça on l'a entendu, mais le reste. Bon. Oh putain. Benja, he directly contests the angle and will take him down. G2 are just baiting BDS into pushing the diffuser. Is not even within G2's clutches, and yet they find kill. After kill, another nade to go through. The smokes to cover these lines of sight, leaving Bride all alone on the bomb site in a 1v4 match point on the other side of a 4v1 for G2. But they don't need to get aggressive. They don't need to push. Bride has the chance to clutch, but Doki shuts him out. Map point on BDS's pick for G2. This is another part of the G2 attacks. I mean... Ouais, enfin... Là, en l'occurrence, tu te fais challenge sur tes verticalités, quoi. T'es en place, d'accord ? T'as un avantage. En règle générale, t'as un avantage, t'es au-dessus, et tu prends des agressions vers ce qui se passe en dessous, quoi. Et deux fois, du coup, t'as des G2 qui ont assez travaillé pour travailler dans un petit périmètre, qui est la Bakery. Ils perdent un ace, donc déjà, ce qui va leur donner des trous de vault. Donc c'est pas évident. On prend quand même les agressions, on n'a pas envie de se laisser endormir. Et on a deux kills qui se font de deux mecs qui, en restant dans la Bakery, arrivent à challenge les gars, des personnes qui prennent les lignes, quoi. Ah, c'est pas évident. Il y a quand même une grande part de... Il y a quand même, je veux rien enlever à G2, mais il y a quand même une part de chance aussi, quoi. Parce que si le round d'avant on dit ok, il y a un moment asphyxié comme ils étaient, BDS aurait dû tenter quelque chose. Là en l'occurrence, ils continuent de prendre des lignes plutôt que de faire plutôt que de se dire ok, je vais être légèrement passif, parce que la suite des événements pourrait être soit un anti-roaming, soit un mec qui vient nous casser les couilles et nous empêche du coup de checker ce qui va se passer. Parce que la problématique de cette verticalité telle qu'elle était, et en particulier sur un site comme ça, c'est qu'elle ne peut pas être vraiment sur tout le site, quoi. Elle te permet de contester les entries
de cette poche de résistance qui est au niveau de la bakery, mais elle ne te permet pas derrière de contester le plantage de la bombe qui peut être fait n'importe où. Hein, on peut pas, il n'y a pas des plantes qui soient défauts, tu peux un peu planter n'importe où là-dedans, quoi. Et il n'y avait personne de l'autre côté. Si, bon, il y avait Bridé pour le coup. Oui, qui peut réduire quand même le nombre de plantages possibles sur la droite. Néanmoins, bon, à gauche, t'as quand même beaucoup de possibilités de pouvoir planter, quoi. En plus, on utilise un Capitao, ce qui permet à la limite de planter dans une smoke. Enfin bref, à un moment d'accélérer, quoi. Donc on a deux personnes qui, au final, sont en mode péage et qui disent « Bah non, c'est bon, nous, on a le contrôle de la verticalité. On est bien, toi, t'es bien. Ouais, moi, je suis bien. Ils viennent nous jouer. Non, pas du tout. Ils sont dans la bakery. Ouais, mais là, s'ils passent, je les encule, quoi. » Eh ben, individuellement, les mecs arrivent à les contester sur, sur leur propre, dans leur propre zone de confort, quoi. Et là, là, c'est... Je pense que là, sur ce round-là, en tout cas, c'est plus individuel que collectif, la problématique, quoi. Et de la luck. Et de la luck. They bait BDS into a false sense of security and a false sense of safety. Even though G2 were over inside of prep, over inside of bakery, they didn't make their way on in because they knew that they weren't safe from the vertical, but they had the confidence to challenge it anyway. And all that Virtue was doing with his utility in his hands was actually taking a reaction or pulling a reaction from the players of BDS to actually look their way in through the vertical, but a G2 player on the other side was already have on va les péter vraiment trained on that angle. And so all of BDS sort of just got baited into taking these one-to-ones that G2 was so ready for. So ready for the 1v1s, like they've been so ready for Atlanta. Oh, what a gnarly shot. Opening nice. Kill for Alamau. Un peu de chat so là-dessus. Hein. Là, là, ça. Tu refais 100 fois cette décale. Tu refais 100 fois ce duel. Hein, Ale Mao le gagne pas 100% du temps, quoi. D'accord. Je pense même que c'est pas un move qui serait EV+, en l'occurrence. Je pense même que 60% du temps ou 70% du temps, il le perd, ce duel, quoi. Donc d'y aller comme ça, avec ses grosses balls, et de venir conteste le gars sur sa verticalité, en sachant qu'il n'y a pas de crosshair. La petite décale avant, elle est plus intelligente, hein, celle qu'on n'a pas vue au final, mais que j'ai imaginé, ou qu'on imagine. Avec le mec qui peut-être qui s'allonge ou qui prend une petite ligne au moment où le mec perd la ligne du coup et l'autre revient pour faire pour regarder et merde, ah merde, j'avais pas vu que l'autre s'était mis dans un pixel en m'attendant, quoi. Ça, je trouve ça sympa, mais là comme il y va comme une... C'est ce qu'il est, hein, c'est ce qu'il est. C'est individuellement, c'est propre, hein. On perd son duel, mais une fois de plus, bon... Il y a quand même de la chance. En tout cas sur ce move. They have leaned into some interesting stuff here. Venture picking along the grim does make me think that they're looking to try and dislodge whatever defense has gone in through the top floor with some of that zoning utility, locking them out with the lion, with the dokubi. These are all operators that you bring along when you're looking to do a roam clear or when you're looking to make a pretty explosive entry in on the map where you don't want the info of the drones, but instead you want the active info of exactly where the positions are. Oh, there they go. Okay. This from BDS very early. So many picks come through in their favor. As G2 have a very crazy start to the rounds. Looking to close this game as quickly as possible. However, they make it look so doable. 2v2. Alamau steals another pick away from BDS. Bride as well under the pump from the vertical and a player inside. Hey, c'est passé quoi là? As quick as G2. What is this from BDS? Very early. So many picks come through in their favor. As G2. Alamau est à la fenêtre. Sheikos me met au sol. Personne ne le raise. Il y a le kill qui part. Quelqu'un vient raise Sheiko. Ouais, je pense qu'une fois de plus, c'est de la chatte, quoi. Après, il faut voir, hein. Mais... Après, ils tirent quand même. Ouais, on entend un shoot de M14.
Donc, il tire pour couvrir, mais en même temps, un peu de chat aussi. Le bruit de la mitrailleuse, enfin, le bruit du chargeur qui est envoyé par Doki à l'heure actuelle couvre l'insertion de Alemao à la fenêtre. Alors certes, hein, si on écoute bien dans les détails, on entend deux coups de M14. Pam pam. D'accord. Donc il rentre là. Il est en train de rentrer. Ok. La caméra doit être, elle est forcément pétée de toute façon. Mais l'animation du rappel qui est au début, hein, le bruit qu'on entend, du coup, est majoritairement couvert par les tirs de Doki. Ça, pour le coup, ça se... Alors, bien joué de la part d'Alemao pour l'intégration à ce moment-là. Hein, mais une fois de plus, il y a une part de chance quand même. Du coup, on se retrouve avec deux mecs qui sont du père. What ? Je l'ai pas entendu rappel. Ça, la preuve, hein. Le C4, même, bon après on le voit en l'occurrence, mais... C'est toujours le problème du son en LAN, hein. Oh, je l'avais même pas vu celui-là. Oh, la tête des Lems. Oh, la tête des Lems. Là, une fois de plus, c'est de la chatte, quoi. Et Lems est dans une logique où il prend une ligne, il a l'information du gars, il se replace pour aller chercher une ligne totalement EV+, c'est-à-dire au lieu d'avoir 16 pixels, il va en prendre un seul. Donc là, mais il s'aperçoit qu'au final, il n'en a pas un pixel, il en a zéro, se redécale, et le mec décale à ce moment-là. Non, on s'en fout qu'il ait ping jaune ou pas. Là, en l'occurrence, bon, après c'est un pré-shot, il est vrai quoi. Néanmoins, le pré-shot, néanmoins, s'il avait sa ligne, vu les HP, on est en droit d'imaginer que du coup, il aurait vu l'épaule de la décale du Ace avant que le Ace voie quoi que ce soit par rapport à son placement. Parce qu'il est plus loin de, du... Enfin, logique, quoi. Donc, on a quoi ? On a quand même une équipe qui... On a quand même visiblement une équipe G2 qui est mieux reposée. Ok ? On a une équipe G2 qui a eu le temps à la limite de commencer à regarder pendant les 3 jours, ils n'ont rien branlé, et de préparer leur match. Ok ? Clairement, il y a quand même un élément de préparation des joueurs, etc. Et de comment est-ce que G2 prépare leur match et prépare leur rendez-vous qui n'est pas la même. En tout cas, chez les joueurs, c'est pas... Il y a un truc qui transpire un peu, quoi. Ça, mais aussi, ils ont eu de la chatte, en fait, quoi. Il y a pas mal de chatte, quoi. Et derrière, c'est une espèce d'avalanche, quoi. Quand ça réussit, quoi. L'avalanche, c'est pas que de la neige, hein. C'est aussi... C'est des cailloux, c'est machin, ça prend tout, en fait. Tout y va, quoi, là. Il y a tout qui passe, quoi. Il y a tout qui te réussit, en fait. T'as l'impression d'être le meilleur au monde, et du coup, ce truc-là... Et comment veux-tu ? Quand t'as l'impression que tout te réussit, forcément, t'as la confiance. Quand t'as la confiance, en règle générale, ça favorise le fait que tu réussisses quand même pas mal de choses. Ah. Intuition read, you could see by his movement, he was playing it. He's like, oh, maybe he swung out pillar, maybe
that nobody swung pillar. The timing was just perfect and hit a crazy shot. Feels like everything for G2 is coming to a head exactly when it needs to. BDS had this map for only two rounds. Yeah. They picked it. They decided this was the best case scenario. And yet G2, all they do. Differential in this European. Ouais, donc c'est pas aussi. And that's pretty much where BDS had their only success. En tout cas, d'un point de vue individuel, j'ai l'impression qu'au début, chez Echo, il n'y était pas dedans et tout, mais en final, ça transpire pas le banc. Ça transpire pas les trucs qu'on pouvait voir simplement dans le chat Rainbow Six FR. Voilà quoi. Tu tentes des trucs que tu ferais jamais, pas à ce niveau. Mais sûrement, hein, surtout à ce niveau. Bien sûr. Setting up, they weren't letting it happen unless they want to be yes to. Pingé, pas pingé, ping jaune, pas ping jaune, on s'en bat les couilles, hein, ça reste un shot. Trying to get through G2's first defense, BDS ended up adapting, trying to send lead, and then right towards the end of the defense, ça reste un shot. Avec une bonne part de chance que ça passe. Et puis qui transpire la confiance pour le coup. Plus si t'es en balle de match, bon. C'est quoi les nouveaux trucs qui arrivent là du coup? Might just be what you need to clear you and your team a path to victory. That's all for now. Ah oui, les cooking des grenades enlevées. Ah oui, il y a un nouveau truc qui s'appelle Map Run. J'aimerais bien savoir ce que c'est du coup. Ça va être comme Aim Lab, j'ai l'impression. Tu cours et t'as des bots qui spawnent. Non? And whether you're playing solo or with a squad, jump into Map Run and train your aim and your skills and you'll learn the new map. C'est pour apprendre les nouvelles maps. Comme quoi, ils s'arrachent toujours pour faire des trucs bien. Hein. Comment ça, le cooking des nades enlevé? Pour t'entraîner, ouais, puisqu'ils le disent, c'est pour apprendre les nouvelles maps. Ouais, ils enlèvent. Enfin, ça, on le verra à partir de lundi. Normalement, le cooking des grenades va être enlevé, ouais. Mais le cooking des grenades, les gars, ça existe pas. Hein. En tout cas, certainement pas avec la grenade de Rainbow Six, quoi. En vrai, c'est toujours pareil. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, le cooking de grenade, comme les bullet holes, quoi. » C'est pas normal, machin truc, module. T'as les mêmes personnes qui vont te dire « Ouais, mais franchement, c'est réaliste et tout, machin. » Juste un truc. Déjà, pour les 3% de gens qui ont une considération de réalisme sur Rainbow Six, bon, le cooking des grenades, ça n'existe pas. Ok, déjà, ça, on peut... Déjà, en tout cas, certainement pas avec la grenade qui est balancée dans Rainbow Six, quoi. Elle a deux fonctionnalités, hein, cette grenade, c'est assez simple. Hein. Y a une cuillère, tu la tiens dans la main, du coup, la cuillère, eh ben, ça te pète pas à la gueule. Et si tu la lâches, eh ben, ça te pète au bout de X secondes, quoi, au bout de 3 secondes, 3-4 secondes. Quoi. Voilà. Et cette cuillère, du coup, elle est tenue par la goupille. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc ça n'existe pas, quoi. Tu balances une grenade et elle pète au bout de 5 secondes. Donc pour les 3% de personnes qui jouent, et il y en a pas mal chez les casus, pour les 5% de casus qui jouent avec des considérations réalistes, cooking de grenade, c'est débile. À la limite, faudrait mieux pouvoir cooker l'EMP. Ce serait déjà un peu plus logique, en fait. Mais bon, on va pas aller là, quoi. En plus, le cooking de grenade, ça rajoute trop de choses, quoi. Le play sur la verticalité et tout. Le cooking de grenade, c'est la même chose que le bullet hole. Tous les gens qui faisaient des kills avec ça vont être dégoûtés. Mais en vrai, il faudra un peu de temps pour que les gens passent l'amertume et après ils s'apercevront que, bon, ça va, c'est plus fair, quoi. Les bullet holes, c'était pas fair du tout, c'était nul à chier, quoi. C'était nul à chier de faire des kills avec des bullet holes et j'adorais ça. Mais il faut arriver à dissocier le fait de se dire, moi j'aime un truc parce que je trouve ça cool, de c'est pas bon pour Rainbow Six, quoi. Si tu tiens plus la cuillère, en soi, le décompte est lancé, non? Ouais, c'est ça. T'as une espèce de petite... T'as une petite mèche à l'intérieur, quoi, entre guillemets, tu vois. Un petit fuse, quoi. Ouais, ouais. La cuillère saute et derrière, c'est parti, quoi. Après, le décompte dépend des grenades, quoi. Hein, voilà. Après, les grenades à impact, ça existe, en vrai. Hein, bah, elles pètent à l'impact, pour le coup, quoi. En revanche, les grenades à impact...
Après, je sais pas pourquoi ils les ont faites comme ça, mais elles pètent pas qu'un impact sur Rainbow Six, quoi. Elles pètent au bout d'un moment. Et donc, du coup, ça te permet de faire des tricks assez ouf, et en particulier sur le consulat qu'on a vu hier, quoi. Hein. L'aîné, tout le monde ne savait pas le faire, c'était un truc à apprendre, on va dire. Ouais, ouais. Bah, ça va casser, effectivement, le skill, le fait que certaines personnes aient appris ce genre de truc-là. Mais c'était un truc qui était compliqué, et c'était un truc qui était pas, qui était pas faire, quoi. Et quand bien même, bon, moi, je suis pas un entry et tout, je mettais quand même des bonnes petites grenades en jouant. Parfois, ça m'arrivait de m'en faire péter à la gueule, quoi. C'est quand même assez, c'est quand même assez complexe, quoi. C'est chouette, mais voilà. Après, à voir, hein. À voir ce que ça donnera, à voir ce que ça donnera dans le futur, pour le coup. Bah oui, c'est Skyscraper. Ah, c'est les maps. Border. C'est en bas de Clubhouse. Ah non, c'est Night Haven. Okay. Ah oui, putain, les ateliers sont tous les mêmes maintenant. Ok. On en avant. With BDS being ambitious in their map control, if G2 are able to sneak in with the lurk and find isolated 1v1s, it could well collapse the entire defense for BDS. Already very swift. 20 seconds in the round. Et le pire derrière. Du coup, donc, ils commencent sur leur défense de map. Ils vont sur chalet en attaque. Chalet qui reste une map à 52% pour le moment offense sided. Et si on regarde bien, mis à part border qu'on a quasiment jamais vu et qui va peut-être dégager du map pool compétitif, on est en droit de l'attendre avec peut-être la sortie de la nouvelle map, peut-être, ok. Si on fait abstraction de border, même si ça reste une map relativement équilibrée, qui est même plutôt équilibrée, ok, on peut rappeler du coup que G2 a commencé sur café, G2 a commencé les du bon côté des deux fois. En attaque où ils avaient 52% de gagner, 52% de chance de gagner par rapport à BDS qui n'avait que 48% de chance de gagner sur chalet. Si on respecte juste d'un point de vue purement stats, hein. Et sur café, du coup, on l'a dit tout à l'heure, où ils avaient 58% de chance de gagner et 42% de chance pour BDS. Donc déjà, ça se joue... Enfin, il y a une partie, il y a une explication qui se joue sur comment est-ce que c'est fait le map ban, quoi. Hein, et comment est-ce qu'on amorce le fait de partir avec deux fois, à deux reprises, un désavantage du haut map. Même si, une fois de plus, sur chalet, il n'est pas si grand que ça, quoi. Mais quand bien même on parle de 52%, 48%, etc., machin, c'est le genre de truc que les joueurs pro connaissent, je pense. Et si t'es affecté par certaines considérations émotionnelles, de te dire que bon, je vais commencer sur café en attaque, je vais commencer sur chalet en défense. Bon, ça fait chier de commencer à chaque fois du mauvais côté. Ça fait chier de devoir lutter contre la marée quand même. Ouais, j'ai fait une vidéo, Croc, point d'exclamation YT, poulet. Spray through the wall almost finds his life as these G2 players look to hunt Leakafak. The smoke, a player you want alive in the late round. Where has he gone to? Sneaking back onto the blue stairs. He's forfeited so much map control. Mandy, this push has been incredibly fast. Finkas remplacé par Yana avec Flash et Gunfix. Some really nice shots in through the line of sight. Through dining does mean that it actually goes a one-to-one way trade between these two teams. G2 should be happy with the one-to-one on Cafe. They continually forced early engagements to make these rounds.
In the late, very 2v2, very 3v3. That's how they want to play this game. The main thing here is that it has forced back one layer of the onion of the defense for BDS. They now have to fall back in towards the bomb side. Who goes Leaky Fack and the Blue Stairs holding this aggressive with the shotgun in hand. But now G2 have what they want, and that's the vertical pressure with the ram and with the buck. And they can really start to tear up the floor and then look for a conversion into the site from there. J'ai quand même l'impression, enfin après on en reparle, une fois plus on en reparlera. Mais de l'extérieur, parfois tu te demandes si ce serait pas mal qu'une nouvelle personne arrive chez BDS. Pas forcément pour remplacer en se disant qu'une personne va être moins bonne, etc. Pour les raisons que j'expliquais au début, hein, faut réapprendre, faut reparler le même langage, etc., etc. Mais ça permet quand même de donner un certain renouveau, d'apporter un vent de fraîcheur. D'avoir quelqu'un qui a la dalle, parce que lui il a pas eu la chance du coup de pouvoir connaître ce que toi t'as pu faire par le passé, tu vois, et c'est hyper important quand même d'avoir une personne qui a faim, quoi, qui a faim avec toi, et que si ça se passe bien, que t'as envie d'accompagner vers des expériences que toi t'as pu vivre, quoi. Donc pas forcément dans une logique de lui il pue la merde, il faut absolument le remplacer, mais plus dans une logique de du 109, ça pourrait être sympa quand même. Ça permet aussi un truc tout bête, hein, mais ça permet peut-être, et là c'est plus un truc qui doit se décider, je sais pas, mais qui doit se décider peut-être à l'extérieur de l'équipe, quoi. Ça permet aussi de rappeler à l'équipe que personne n'est irremplaçable. Hein. Personne n'est irremplaçable et qu'il y aura toujours du monde pour monter au sommet, quoi. Parce que si tu restes dans une logique un petit peu... si t'es pas challengé, c'est difficile d'aller chercher de la pugnacité quand t'es pas challengé, quoi. Wow. Quand bien même, tu serais extrêmement professionnel. Genre un Shinka, par exemple. Je sais pas, je connais pas individuellement les autres assez pour dire lui. Je dis juste... pourquoi pas, au final. Voilà. And now a retake is forced by BDS, and the numbers are quality. As Uno jumps straight back outside, he amounts a very solid post-plant position. Virtue to clean up Breed A, and this feels, if anything, a formality. BDS look to stick it. Can Uno deny this in time? Renshiro, you can't be getting away with this! BDS! They've stolen the first round of Shell A! Pourtant, je me souvenais plus de ce round-là, quoi. G2, Uno was in the perfect post-plant position with the hard reach charge he'd set up with the firebolt, but it tu commences avec un clutch comme ça, un peu volé. Ça permet de renverser la tendance quand même. On a quand même l'impression dans ses mouvements que Liquifax, c'est celui qui a la dalle. Je sais pas, dans le langage corporel donne l'impression qu'il a la dalle et qu'il est avec 4 personnes qui sont en mode mouais. J'ai trop vécu ce genre de truc là. Encore récemment, quoi. Alors parfois, c'est pas ça. Hein. Parfois, c'est juste que les gens transpirent pas forcément l'envie d'y aller, quoi. C'est tellement important sur R6, je trouve, et sur beaucoup de jeux, mais en particulier sur R6, le fait d'avoir les crocs, quoi. Et ça, c'est cool, hein, pour franchement, parce que ça permet un peu de conjurer le sort, quoi. Ils ont tellement eu de la chatte sur G2, sur Café, ça permet de leur dire « Bah ouais, t'as vu, ça s'est joué à 1 cm de ton Capitao, quoi. » Bah c'est aussi ça, Rainbow Six, hein, ça va pas aller dans les deux sens, quoi. Ça va aller dans les deux sens. Tu commences à 1-0 sur une map sur laquelle t'as pas l'avantage, en étant en défense, c'est cool, quoi, hein, franchement. By members of BDS now. G2 though, they have a bit of an answer for it. They have got the Twitch in the hands of Alamau. They've got the range hard reach they need to deal with some of those mirror windows as well. It's just about whether G2 can actually land the utility clear that they need.
There's a lot of players to clear as well. Oh, here comes the Twitch drone from Alamau. Does he time it perfectly? Does he have the aim? He does! One Miro window dismantled 35 seconds into the round. We love to see that for G2 fans. However, Doki going down without a fight was certainly not on your bucket list. Bit brave there from Doki, hopping in the into the mirror window of a Lems. That one not quite opened. Renshiro on the other side of his mirror window there is though thinking, wait a second, that's open now. Uno though taking a bit of tussle of a player on the top floor. That's Leakyback, who's now going to fall back to the safety of the mirror window in storage. He really is trapped here in stock now. Benja, oh, he's caught in the crossfire. What was that communication? Renshiro was already holding that position. And he's just missed a second G2 player. Là, pour le coup, j'ai deux joue comme BDS en première match. On dirait qu'ils veulent pas jouer, quoi. Donc c'est vraiment cool, hein. Voilà. Que des erreurs. Very swiftly do G2 fall in this second round. Virtue, no diffuser, almost no HP to work with. And Renshiro cuts parfait. Down. Three kills for one of the most experienced players in the game, for the oldest player of the tournament. He shuts everyone down on the back of his ninja diffuse. He's sending G2 a message. BDS playing a very disciplined game through the mid round. They know that G2 want to make that incision into the map somewhere. And they know that they have the safety of the mirror windows. They're watching all the possible corners there. From G2. The most about this guy. And no, who do you want to. Romalia will need to. Because, I mean, the first round from the get go. Now, we're on Chalet. This is one of the more. Thing is, Dev, it sort of doesn't matter what map it is these days. Even the attacker-sided ones in history have now become defender-sided with the current map brought up and actually try and problem-solve it. It does seem like that is what they're going to do. We've got a full switch off. La passion, c'est sûr, on l'envie aussi. Moi, je n'ai qu'une chance qui me gonfle, c'est la tentative du dernier espoir que fait Likefak à chaque fois. Je l'aime bien comme joueur, il apporte énormément au mental. Ouais, faudrait demander à ses coéquipiers comment. Moi, c'est l'impression que ça me donne aussi. Hein. Le truc, c'est que la personne que je connais le moins, c'est Bridé. Hein. Après, Elems aussi, bon. Hein. Mais je le connais pas trop en tant que joueur. Renshi, Liquet, Sheiku un peu plus déjà. Après, c'est juste parce qu'ils sont. Renshi pour le. Voilà quoi, pour le passé. Et. Liquet parce qu'il est plus expressif en l'occurrence. Brave from Leakyback as well. He could have made us fall off work through the hatch, but instead tried to go for the peak. But G2 were ready for that. Renshiro on the other side has just heard his mirror window shatter right next to him, and that means Alamaus has successfully taken that one. À quoi une console war sur Six? Une console, c'est une console war sur console Six. À quand une console war sur console Six? En règle générale, la console war elle est sur console. Hein. Chev. Et la dernière, elle était en septembre. Le jeu commence à mourir, relève-le. Mais paye 3,99€, mec. Les gars, vous avez toujours pas compris, hein. Ouais, c'est pas vos messages qui vont faire que, hein. C'est votre thune. Tu veux quoi? Tu veux que je reste sur le jeu? Faut me payer. Vous voulez que j'organise une LAN demain? Moi, je vous organise ce que vous voulez. Hein. Je vous remplis Bercy, si vous voulez. Hein. Le problème, c'est pas la motivation. Hein. Le problème, c'est pas mon temps de travail. Hein. J'ai que ça à foutre 7 jours sur 7 depuis 3 ans. Donc le problème c'est la thune. Donc gars, si vous participez pas à hauteur de 3,99€, vous êtes pas vraiment un actionnaire du campus. Vous pouvez pas me demander quoi que ce soit en vrai. Sorry. Doki's found his second. Lems finally gets one back in his favor. Virtue's gone down, that's the hard breach as well, but not the diffuser. Uno can still support with those ex-Kairos, but the real travesty here for BDS is this map control. Voilà. C'est pas un reproche, hein. C'est juste, je vous le dis. Hein. Quand je vois des personnes qui me taguent sur Twitter, qui me disent quand est-ce que tu refais une console war, etc., qui me follow même pas, je. Hein. If you blink, you miss it. G2, do not hesitate. They swing into action and convert their tactical timeout into a round win. Good pivot there from G2. They had convert. Ah, j'ai pas vu du coup. On the player inside of dining, but not quite landing it. Shaiko on the other side with the. On est à 3v3 là. Bridé se fait niquer parce que du coup ils ont poussé sur site.
Il y a toujours l'autre fils d'up qui est devant le porte main qui intercepte Sheiko qui vient aider. Bon, là, bien joué. Merci Jeffila pour les 2 mois de frais scolarité, vous êtes des monstres. Merci Zekor pour les 7 mois. Jeffila passé droit au campus. And the moment that they got the pick onto Breeday inside the bomb site, it was go time for them. They jumped in on it straight away. And that may well be a very spry game. Very and if I'm not wrong, we may end up going back to that same bomb site. Bon, ça, je comprends pas, hein. And I think the BDS have a lot of things to take away from that round. Too many players too early on falling victim to over aggression, gifting G2 too early on. And I think the BDS have a lot of things to take away from that round. Too many players too. Il est déjà au sol. Ce jeu, je te jure, quoi. Donc c'est Bridé qui décale. Hein. Non ? Si, c'est Bridé qui décale ou pas ? Ouais, c'est Bridé qui décale. Hop là, là il est au sol. C'est pas Doki qui le met au sol, c'est pas possible. C'est le mec de la porte main. Il met un oscope. Bon, enfin, la première balle. Ça devrait être tellement imprécis, au même titre que quand tu bouges sur CS, quoi. Ça, la range devrait être comme as, quoi. C'est soit tu vises, soit tu vas te faire enculer, quoi. C'est pas normal que les quick shots ça passe si bien, quoi. Where Renshiro and Shaco are playing now in the prior round, but this library presence has been gifted to them. That being said, library is not a safe haven for the attack. It's a false sense of security, right? You've got Shaco in here with the shield in the hallway and the line of sight going inside a library. So even though Doki just got in, he's jumped straight back out because he's realized what's going on. Alamau on the other side is at least going to try and get a cutoff over on this side of the map inside of Fluke Double, but is not going to find anything just yet. Shaco is safe where he is, but I wonder what Benja's doing, right? He's the one with the Rotero drones, and if there's anyone that could clear the shields, surely it would be the Flores. He's yet to use any of them, however. You look at the setup from BDS and you think it was a master defense, but no, in fact, this is Bar. And now that G2 have realized that, realized the lack of control from BDS, it seems like they may be changing tack. They have no interest in clearing that top floor pressure from BDS. So they realize that, yes, library has been given away to them, but they can't enter. So what are they going to do instead? Turn their attention in towards the bomb site. See if they can find a hole in the ground floor rather than a hole in the top floor. That's where Alamau's drone is getting his way on in, and he's going to try and cut down on the player inside of dining. Il est toujours devant le main avec son, soit avec Lyon, soit avec Twitch, lui. Hein. Toujours avec sa DMR allongée devant le main, quoi. Le jeu est comment en ce moment? Il a jamais été aussi bien. Genre vraiment. Gas though, he will have to try and hold on, but he's one of the last players left for G2 as BDS have reached perfection. Uno can cover his own backside, but not before Shaco makes it a 1v1. Can he close it? One of the greatest players in the game, but Uno back on G2 does not let that slide. Son positionnement était pas bon. G2 in the absence of the top floor control that they were initially looking for, the tentative conclusion that Uno had was, hang on a second, I can jump in through the dungeon window and get straight on the cross at the plant down and have a star started roster. Oh, le move de Lique, il pue la merde, hein. Of all of these amazing teams of the past. Et là c'est le placement de Checo qui overextend sur la droite, le pauvre. G2, what do you get? You get Uno. This support player carrying that diffuser. Il avait la dalle. Drag out for 2 kills in a clutch when he's needed. G2 have had a bit of a cycle through that fifth man. Et le diffus, il veut bien faire, mais il souhaite tellement finir la manche. Bah, j'ai pas vu comment ça se passe, hein, c'est toujours pareil, on voit pas tout.
Mais en soi, quand il plante le diffuse, qui est-ce qui remonte? Parce que je vois un mec remonter. Lui, il y va, bam, bam, bam. Le but du jeu, c'est on fait le kill, je plante. À partir du moment où j'ai un contrôle sur le site et au niveau de peut-être de la trappe, je peux planter là. C'est Virtu qui revient. Et en plus, avec une, quelqu'un qui vient me couvrir. Ça, c'est propre. Liké qui fait le kill, du coup. Sur Alemao, au niveau de jungle, je pense. Enfin, vers là, non? Peut-être Shoes. Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'il plante? Parce que là, là c'est en train de planter, donc il entend pip 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 pip. Il fait le kill, peut-être que là il pense que ça va planter. Facile à dire. Mais là, c'est le... Enfin, Sheiko, il a envie d'y aller en mode « bas les couilles, je montre que... » Enfin, Sheiko, go kill, quoi. Là, il tape dans le truc de la bière. Là, c'est... Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il overextend à droite. Mais bon, après, c'est facile à dire. Parce que là, derrière, il se met dans... une situation un peu délicate. Mais bon, c'est du micro... C'est le... la micro, micro-décision, quoi. C'est facile à dire, hein. Une fois de plus, ça joue à pas grand chose. Il y a quand même quelques overpicks, quoi. Après, à savoir, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est l'envie de bien faire et au final tu fais mal, un manque de sérénité, il y a quand même quelques semblants d'overpicks, quoi. Merci évidemment Dewey pour les 52 mois, merci Poulette, t'es un monstre. They only have to be with 3 miles back right now through the mid round, setting up the flank drones, making sure that they are safe in the. BDS have completely forfeited the map, and yet G2 have not yet confirmed it. Last area. As they look to get this vertical play going, losing the bar forces Benja to use some of his breaching rounds, but he can't secure a kill on the back of it. Shaiko lives to fight another day. Doki rotates in. He has the hard breach to open up this con hatch, and elsewhere he's managed to use his bees to get some information on side, spots a lens. There's Benja for one, and a numbers back in G2's favor. Yeah, now with the 4-on-3 numbers advantage, G2 are going to look to convert this one, but the bravery of the BDS players is relentless. Even though the vertical pressure has come through, Shaiko is still running a havoc down in the bomb site. Ah là, il les push au niveau du blue, autre, voilà, ils ont une bonne logique sur la prise du... d'abord, on essaie de prendre au niveau de la plante défaut, et on essaie de les faire reculer. On prend les... on a peut-être... on a l'information qu'il y a quelqu'un qui se balade au niveau du connecteur, parce qu'on l'a fait pousser très probablement dans le connecteur. On va jouer le connecteur, mais avant de jouer le connecteur, on veut prendre le kill. Du coup, on n'est pas stupide, on fait des trous en jouant sur une belle verticalité. Et du coup, bah, on veut faire sortir le lapin du terrier, quoi. Du coup, bam, la charge, le mec... Ah, putain, il y a une charge, on est en train d'ouvrir, j'essaie de me barrer. Bah non, désolé, je suis récolté derrière. Ça joue bien. Ouais, là, ça joue super bien, là. Dommage. Bride, low HP. Bench is caught out from the player in blue. The trade back again. Ouais, ça joue bien. Bride to clutch the 1v1. Back to back 1v1s. Leakafak exists again.
Là ça, c'était propre, hein. La double décale, elle était magnifique, quoi. J'avais pas vu tout ça hier, vu que je jouais. Donc c'est pas la même... C'est pas le même... En l'occurrence, c'est pas le même verdict que celui du début de la game, quoi. Over on the ground is their leaky back, actually. It looks like he's ready to jump out of the library window, I believe it is. Yeah, right on it. Ready for the entry to come through from G2. A claymore's being placed by G2. Don't over-aggress. Do so at your own risk. Leakyfac so keen to peek this, though. Upside down rappel is nigh impossible to contest. On the other side of it, he looks for the player. Leakyfac very ambitious, but Uno's waiting. And can easily take him down. Another gifted early pick by Leakyfac. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs sur Leaky quand même. If there is any playmaker on the defense for BDS, it is going to be Leakyfac. And he is the one looking for the opportunities to take one-to-one gunfights. Après, il a pas envie du truc qui se déroule, je sais pas. Mais là, pour le coup, putain, bah, l'agression va à l'extérieur, personne ne s'y attend, quoi. Mais il y a tellement... Il n'y a pas de crosshair placement à cet endroit-là. Les mecs, ils peuvent être... Peut-être à l'envers, peut-être à l'endroit, en bas, à gauche, machin. C'est ballsy, là. Hein. Après, je sais pas quelles sont les infos, comment est-ce qu'il joue, machin. Il fait peut-être juste le truc, c'est vrai, mais c'est vrai que de prime abord, quand tu vois comme ça, tu te dis, putain, la vache, c'est vraiment une erreur de merde, quoi. Pourquoi tu te donnes, quoi? À voir. Est-ce que c'est une preuve de frustration parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a qu'un kill et qu'il a envie d'aider? C'est incroyable quand même. Hein. Non. Renshiro's the last one left and G2 know full well. Lems has been downed above, and this plant may well be forced. Renshi does not have a C4, and he's gonna have to run a marathon to get back to one versus one. And il va aller chercher son teammate. Bah, normal. He's gonna go pick up a Lems. He's gonna go to save his teammate. There's barely any time for this, Mandy. Oh, Uno's got it though. He's gone up to the top floor as well. He's had to think. Okay, the vertical pressure is there for him, and he wants to make use of that territory as allez, well. Allez. Is definitely going to bleed on out here. There's no way. But Renshiro's just around the corner. Are they going to meet each other? Time favors Uno, but fortune favors the brave. And Renshiro made such a brave play. I think he may have made the wrong play, as he desperately looks around the corner. He does a bit of damage. Uno is going to get it. Bon, pas de chance. Après, c'était un peu chelouement joué de la part de Renshi. Ah, c'est facile à dire. On n'a pas les calls et tout, on n'a pas les infos. 27 secondes. Onto the one player that was actually defending the bomb site. He absolutely beheaded him, jumped his way on in, got the bomb down, and Renshiro had completely oh, je sais pas. Moi je reste le gars, je saute dans la je saute, je vais au plus vite en fait, en lui disant vas-y, vas-y, vas-y. That Uno played to perfection. He played the time so well and even closed it out with a pick of his own. Il casse le Fenrir au top, le lion, il a cru qu'il l'attendait, non? Ouais, qu'il était en train de. Et quand bien même, la trappe cuisine elle est ouverte, non? Ouf. Ouais, non, bon, je retire ce que j'ai dit, Sheko est là, lui il s'en bat les couilles, de toute façon, il fait ses kills quoi. Et Lems aussi, hein. Franchement, le turn est incroyable. Hein. Donc ça a pas les balls quoi, ça a pas les boules. Vas-y, pas de chat non plus là-dessus, hein. Bon, pas de chat, hein. Bon, c'est pas super bien joué de la part de Renshiro. Il a perdu quand même beaucoup de temps pour se laisser la latitude de faire un beau clutch, je pense. Après, tout dépend des coms, hein. Il manque plein d'infos. Néanmoins, bon, il aurait pu avoir un petit peu de chance avec lui, quoi. Wow.
Doesn't connect quite onto Alamal though. It takes a little bit of his HP out, but not down. Oh, that goes leaky back in through the vertical. He lands a couple shots. Ouais, leaky back, il est vraiment. Ça va le frustrer, hein, putain. Doesn't quite connect them. Beaucoup de moves frustrants. Substantial control as Shaiko finally takes down Alamal. With that, should he get the information? Mez Rome. And this drone has also been spotted. He's going to make his way around and try and dodge that position. You can see that it's not lifting arms. This is his moment. Try and dodge that position. You can see that it's not lit up. He knows this is his moment. Oh, Lems is going to walk straight into Doki's waiting arms. Oh man, Doki's just absolutely assassinated Lems there on the basement entry, but the rest of BDS don't seem too fazed by it so far. Shaiko is going to head the attack on the entry, is making his way in all the way in through the glass cabinet hallway, but the time is certainly starting to tick away as they make their way in around the bomb site. It is Master and Office, of course, and Breeding. Well, they don't actually have any hard reach on their side, so if they want to go for the main wall, they can't. What are they going to do here, RBDS? They need to come up with a game plan to get themselves inside of the bomb site without actually working the wall. Oh, Virtue, this is dangerous. He was flashed for a brief moment. That flash may have saved a life or two, and he forfeits his own. Re-peaking now. Uno goes down. It is up to Doki and Uno the mirror, but Uno's been finished off. Two players remain for BDS to lock in this round, but guess who it is on defense? It's Doki. He's got this gadget, the perfect utility. Oh, the timing do. One impact finds nothing. Prepared a safe haven for Bride, but HP not in abundance. A second impact. Doki, you've got to be kidding me. Doki is a beast that cannot. Bah après, on l'entend bouger. Bon, tu refais 100 fois cette action. This guy's a hero. And what an impact through this floor as well from Doki. He just anticipated. Il gagne pas 60%. Là, c'est 300 IQ. Ouais, c'est 300 IQ. Vite fait, c'est 300 IQ. Non, non, c'est pas mal. On l'entend bouger, hein. Et là, il tombe quand même sur un timing de ouf qui va faire que au final, il tombe sur le truc pixel et horrible du jeu sur la perspective, qui fait que malgré lui, il est plus proche, il est plus loin de la trappe que l'Ikefak n'est loin de la trappe à l'endroit où il est. Donc de facto, il y a des éléments du corps de l'Ikefak qui peuvent dépasser. Sans pour autant que les deux se voient, quoi. Donc Doki voit Liké, et Liké le voit pas, quoi. Boum, il arrive. Là, le placement, en plus, était hyper bon de la part de Bride, tu sais, le master planteur, hein, le number one planteur de Atlanta. Là, après, on l'a entendu clairement marcher à droite, et après, on l'entend arrêter de marcher, quoi. Et en l'occurrence, il se place bien, on se met à la place de Bride qui se dit « Ok, dès qu'il arrive dans l'escalier, j'essaie de venir casser la range en étant slow. » Malheureusement, bon, on en parlait hier quand j'ai calé le C4 et quelqu'un qui était là, c'était Surigno qui a dit « Putain, je vais m'acheter le même casque que toi, quoi. » Je lui dis « Le vrai problème quand t'as des mecs qui te jouent sur la verticalité avec une grenade à impact ou C4, et qui n'ont pas de pulse ou de machin, etc. Quoi. En l'occurrence, c'est Solis, mais on s'en fout, il n'a rien activé. Le vrai truc, ce n'est pas de courir. Le problème, c'est de s'arrêter. C'est le fait de t'arrêter après avoir couru qui donne la position de là où tu es. À partir du moment où tu continues de courir, tu ne donnes pas réellement la position de là où tu es sur la verticalité. Tu donnes la position de là où tu es, mais pas de là où tu vas. C'est trop compliqué, au final, d'anticiper un mouvement. Quoi. Mais là, au final, il court. Et on sait où il est puisqu'il a le diffuse. Là, on vient clairement d'entendre le... On sait exactement où il est. Et il s'arrête. En vrai, c'est facile à dire parce que c'est comme les magiciens, quoi. Une fois que t'as la solution, bon, voilà, quoi. Mais en vrai, l'impact, Elle devait être envoyée exactement là, en fait, quoi. Pourquoi Bride agressif là-dessus?
Tu peux pas dropper de la trappe parce que tu vas te faire niquer. Pourquoi drip? Enfin, regarde le match SSG avec le double kill de G90 sur le yellow. C'est quand même un easy crosshair, tu vois, quand tu vas aller ouvrir au-dessus de cet escalier-là. Hein. T'es quand même, tu te sens serein quand même quand t'es en train d'évoluer vers l'escalier, quoi. Vraiment, c'est un pic qui est agréable, quoi. Au moment où il commence à partir, il prend l'impact dans la gueule. Il y a toujours la possibilité, effectivement, de jouer à cache-cache. T'as 50 HP, t'as Flores, c'est pas si évident que ça, quoi. Au final, c'est pas si con, en vrai, c'est ce que fait Bridé. Mais il lui reste une impact. Ouais, puis t'es en face, t'as un mec qui a le P90. Une SMG11, toi t'as un truc, si tu te planques dans un coin, c'est une canne à pêche. En vrai, le move de Bridé, il est bon. Hein. C'est... Et quand t'as un move de la part de Bridé, tu te dis... En vrai, tu reprends tous les éléments, tu te dis que le move est bon et que tu vois que la personne... Et qu'au final, la grenade, elle est là où elle devrait être envoyée. Et donc, que t'es à peu près d'accord pour te dire personne n'a vraiment mal joué, personne n'a vraiment bien joué sur le coup, en l'occurrence... Le seul élément qui est entre les deux, c'est la chance, quoi. S'il n'avait pas eu l'impact, ça aurait pas été le même round. S'il l'avait balancé un petit peu plus à gauche, parce qu'il aurait pu penser qu'il l'avait extend, ou un peu plus à droite, si Bridé n'avait pas 50 HP, avait toujours ses HP. Voilà. Après, ils entendent, ils doivent avoir l'information, je pense que Solis est dans le main. Pour le fait qu'il plante à côté du lit, là, je sais pas, et pas sur le lit, pourquoi est-ce qu'il se ravise? Oh, franchement. Là, il a l'info, hein, mais bon, on s'est déjà planté de toute façon. Ah, c'est... BDS, my concern for them is how much of a toll does this take on the mental? They are yet to take their tactical timeout. Juste outplay. Ouais, je sais pas si on peut parler de outplay. Outplay, ça veut... Ouais, je sais pas. Okay, comment on définit outplay, quoi? Pour moi, définition de outplay, ça veut dire j'ai été meilleur, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a été meilleur? Je pense pas, non. To play a game from more cleverly and successfully than other person or team. Donc, c'est le fait d'avoir fait un move de façon plus clever, donc plus intelligente, et surtout plus successful, puisque tu gagnes, que la personne en face de toi. Tu oublies la partie de Doki, au final. Tu oublies l'impact grenade. Ok, t'as Doki qui vient d'envoyer l'information en tuant Liké qu'il est en dessous. Ok, toi tu continues ton plantage qui est amorcé à 85%. Dans tous les cas, tu peux pas t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas vraiment jouer sur la verticalité. Hein. Bon, c'est pas comme si t'avais un bug, tu vois, à la limite. Bon, t'as un bug tout de suite dans ta tête. Tac, là en quelques secondes, tu dis allez, je vais l'enculer par en dessous. Ou en tout cas, je vais le forcer à aller jouer en dessous. Bon, voilà. T'as Flores, tu vas où? Tu vas où, quoi? Hein, t'es à côté du lit, t'es pas sur le lit. T'es à côté du lit, t'es pas sur le lit. Et surtout, au moment où tu fais le bruit, de toute façon, la plupart du temps, tu vas essayer de courir pour aller te mettre à un endroit et le mec a l'info. En vrai, c'est pas outplay pour moi. En vrai, les deux ont bien joué et voilà, quoi. Merci Shenzhen pour les 3 mois de frais de scolarité. PE au sein du campus, t'es un monstre poulet. The next two rounds in a row. So clearly
Romaglio has had a profound impact on G2, converting this momentum back into their favor. Why has Stuflex? Tu bouges pas à la limite vu que t'es sur le lit, pas de ligne visible par la trappe, mais bon, facile à dire. Mais tu sais bien qu'il va monter par un escalier. Au moment où tu termines le plantage de la bombe, que ton pote il est en train de mourir à gauche, ferme les yeux, imagine-toi, mets-toi à la place du joueur, mais même pas à la place de, du spectateur, quoi. Tu viens de finir de planter la bombe, ton pote vient de mourir à gauche, tu sais que c'est machin. Il est en dessous, en dessous, kitchen, kitchen, kitchen. Tu sais où est-ce qu'il va. Hein. Tu sais où est-ce qu'il va. Hein. À aucun moment, tu te dis, il va remonter de l'autre côté, il va se barrer de la kitchen pour aller peut-être jouer, etc. Machin, truc bidule. Tu sais que c'est un joueur qui sait jouer et tu sais que s'il a un moment à jouer, la probabilité, c'est, je sais pas, c'est un peu comme les fugues, quoi. Hein, plus t'attends, hein, et moins la probabilité de retrouver le gosse, c'est vrai. Enfin, plus la probabilité de retrouver la personne qui est disparue est forte en l'occurrence, quoi. Bah, c'est un peu la même chose, quoi. Hein, il y a un épicentre. L'épicentre, c'est l'endroit où le diffuse est planté, ok. T'as pas du tout envie d'être en mode face check sur tous les angles de la ligne, de la map, ok. T'as pas du tout envie de ça. Donc, au moment où tu joues ton 1v1, tu as envie d'être au plus près de l'action et de pouvoir écouter où est-ce que l'attaquant va aller. Pouvoir écouter ou voir. Et de l'intercepter dans son mouvement, la plupart du temps. Tu es en 1v1, tu n'as pas du tout envie de te barrer de l'autre côté, d'aller dans le blue, et là, d'être en mode, tu arrives dans le blue et tu remontes la librairie, et là, tu es en mode, il est où ? Il est dans le closet, il est dans les toilettes, il a pushé à l'endroit où j'étais, il est dans le machin, et après faut jouer, t'arrives sur le diffuse, tu sais pas où il est, tu mets un coup de diffuse, il reste 7 secondes, le mec il prend pas le bait, du coup il y a un moment quand même il est obligé d'y aller parce que t'as mis 2 coups sur le diffuse, mais là il y a un duel qui est instantané à jouer, qui est un duel dégueulasse, dans lequel si l'attaquant tu lui as laissé le temps, en règle générale il s'est mis dans un placement et une position favorable, toi tu te retrouves en train de diffuser un endroit, t'es forcément dans un endroit qui est relativement défavorable. Non, tu veux pas faire ça. Donc, 100%, le mec, bien sûr qu'il va monter au niveau de la jungle et au niveau du trophy. Tu le sais qu'il va monter au niveau du trophy, tu sais qu'il va venir te jouer au niveau du trophy. Si tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu fais ? T'as pas 36 000 possibilités, quoi. T'as pas 36 000 possibilités, partant du principe que t'as Flores, que t'as la R33, bon, voilà. En vrai, moi, je suis plus le genre de personne à me barrer et prendre une toute petite ligne, quoi. Me faire un peu, me barrer le plus loin possible et apprendre une ligne qui me permet d'intervenir directement sur la map, ok. Mais t'es sûr et certain qu'au moment où le mec il va monter, de toute façon il est en mode furie, tu vois. Et il va regarder, il va faire swinger à droite, gauche, machin, c'est soli, c'est un P90, ça tape. Hein. Ouais, non, donc au final, tu fais exactement ce que J90, SSG, J80, ou J90, là, il fait contre, dans une situation de 1v2, Esca jaune, il joue sur la verticalité, il est en haut de l'Esca jaune, il est sur consulat, il y a un 1v2, la bombe est plantée en dessous au niveau du piano, les deux mecs en face, les deux défenseurs, ils ont du temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remontent au niveau de l'Esca jaune, ils viennent le jouer, qu'est-ce qu'il fait J90 ? Il aurait pu sauter au niveau de la trappe à ce moment-là. Okay. Il pourrait jouer, il pourrait courir et jouer au jeu du chat et de la souris. Mais en face, t'as des mecs qui ont 3 de vitesse. Toi, t'es en 2-2. Je sais pas ce qu'il avait. Il avait Finca, je crois. Non, l'un des trucs les mieux, c'est de venir les agresser. De venir les agresser sur l'endroit où à un endroit où tu sais qu'ils n'ont pas un crosshair placement qui va être parfait. Quoi. Et en l'occurrence, l'agression que J90 fait sur consulat hier SSG, face à FaZe, est la même que celle que Bridé voulait faire inversée au final. Il est au-dessus et il veut venir prendre une ligne sur l'escalier, ce qui est très bon. Ce qui est très très bon. Ce qui est vraiment très très bon, quoi. En plus, la plupart du temps, tu sais que tu vas trouver un mec qui est en train de courir. Donc tu peux pré-shot. Lui, il peut pas pré-shot. C'est impossible. Il sait pas que tu es là. Donc c'est GG Doki, bien joué. GG, mais on peut pas dire c'est mal joué de la part de Bridé, quoi. À la limite, il faudrait plus remonter sur la problématique du repositionnement ou du positionnement de l'IKEFAC par rapport aux informations qu'il avait. Ça c'est le vrai truc, quoi. D'essayer de savoir quelles étaient les informations, tu vois. Parce que si on a l'information que le mec il est dans dining
ou dans le main et cliquer repasse au niveau de la trappe, là c'est plus problématique pour le coup. Ok ? Je pense que c'est plus problématique en l'occurrence. En revanche, s'il a pas l'info, bon bah l'autre le surprend, bon bah, et il a de la chatte. Doki a de la chatte deux fois. Hein. De toute façon, c'est simple, hein. Ça reste un clutch, hein. C'est un 1v2, c'est un mec qui joue bien, deux mecs qui jouent pas forcément du mieux qu'ils peuvent, et de la chance. Merci Arkane pour les deux mois, t'es à mon poulet. Ah vache, ça va vite là, j'ai pas le temps de tuer. BDS trailing back as well. Uno on the other side has an in through the hatch, but just on the other side of that as well is Renshiro on the double window. And if Uno, ils ont voulu faire quoi, une rapide là? He's gonna be taken down. Okay, maybe not. Renshiro's actually just fallen off of that position, and that means that Uno is safe for now. But the vertical control is still in the hands of him, and that's gonna be dangerous as BDS rendezvous over inside of Trophy and try and make their way into the bomb site. And this is the danger zone for BDS. Oh, excellent usage of an exothermic from Leakafak forces Alamau into an exposed position. But he has not been spotted. He lurks around the corner in the shadows, biding his time, waiting for the sound cue. But he has no clue where these players from BDS are. Leakafak playing incredibly passively. Virtue's low HP as well, though. The door has once again been left open for BDS. This is dangerous, though. Renshiro has to keep these vertical players at bay because otherwise the diffuser cannot walk his way in the bomb site. There goes Breeder to make his way on in. Oh, d'où il meurt pas à la frost là. Leakafak needs to find his kill. Renshiro gets aggressive and finishes off what's left of Virtue. Guess who's on side for G2? After two clutches in a row, it's up to Slim Shady to make quick work of this round. Alamau can play it patient. He can hide in the corner, knowing full well BDS must make the first move. But Alamau, he may well get the last laugh. Shotgun. He does it again. G2 will never be silenced. And Alamau can take care of business. In the dying seconds of the round, BDS looked to pivot over in the top floor, but they forgot that Alamau could run havoc on the bomb site. And with the ouais, là pour le coup, ça remonte ouais, à l'Emao qui a jamais été redronné au final pendant très longtemps, quoi. Là, il est droné pourtant. Là, il est droné. C'est bien de mettre les deux lésions dans le coin, hein. C'est intelligent, putain la vache. Sur la plante défaut, quoi. Attends, il y a une, y a un drone, non ? Ah là, bon. Là, pour le coup, là, là clairement, c'est une erreur de BDS, quoi. Tu prends l'information sur la position de quelqu'un qui est au niveau de la kitchen, ok ? Tu sais très bien que la termite va avoir tendance à faire bouger les gens. En règle générale, puisque tu vas avoir une ligne directe dessus. On n'est plus en 2018, ni en 2017, même en 2019, de nombreuses fois. Et en particulier, quand on a établi des gros clusters avec un castle, bon, tu vas avoir un mec qui, au moment où tu vas commencer à lui péter une termite sur la gueule, va avoir tendance non pas à reculer, mais plutôt à être agressif pour aller se mettre à un autre endroit, quoi. Il reste 1, 2, 3, 4 drones, c'est facile à dire, hein, bien évidemment, parce que parfois les drones sont à l'autre bout de la map et tout machin. Mais là, là pour le coup, il y a une erreur de redroning. Hein. Il y a du termite qui vient de péter. Où est le lésion qu'on a spoté, puisque c'est lui qui casse le drone maintenant en bas à droite. Hein, c'est lui là, les étincelles. C'est lui qui casse le drone. Donc on a l'information sur Alemao. On sait du coup qu'il y a quelqu'un. On n'a peut-être pas l'information en revanche sur Renault, qui aurait été plus problématique, quoi. Là, on pète le truc. Là, faut réassetter la situation et savoir où est-ce qu'on est, quoi. Facile à dire, hein, une fois de plus. Hein. Mais on réassetter pas l'information, on réassetter pas. On s'occupe du Frost au top.
Renshi qui prend ses responsabilités en disant bon les gars, de toute façon il faut 28 secondes, nique sa mère quoi. En plus il est là lui donc je vais lui balancer un pré-shot pixel et avec l'arme que j'ai, de toute façon dès qu'il va se décaler je vais l'enculer. Et là 17 secondes, hein, bon bah, bah tu sais que ça va être la merde. Lui il tente son bluff hein. Si on l'avait joué sur la verticalité, si on l'avait redroné, si on l'avait enculé sur sa position, tout le monde aurait dit « Oh non, mais pour qui il se prend, allez Mao, de se repositionner là ?» Il a vraiment cru que, qu'on allait l'oublier, tu vois. Attends, je vais écouter ce qu'il dit, lui. Well, after three clutches in a row, we've got Titan. G2's back on the line. Titan, how are you feeling about this game? It's much closer than we maybe initially anticipated it would be, but we expect... C'est beaucoup plus serré que ce à quoi on s'attendait, quoi. Bon, voilà, toujours cette logique de communication de trou du cul, mais assumée. Ça vous montre la qualité des joueurs qu'on a dans notre équipe et en particulier leur capacité à clutcher et de garder leur sang-froid. Ça, c'est peut-être un truc qui manque un peu au côté français pour le coup. S'il y a un truc qui manque... C'est vrai que moi, j'adore le côté trash talk, j'adore le côté rage, j'adore le côté momentum, etc. Machin. Mais je pense que l'étape du dessus... Quand on veut vraiment faire partie de l'élite, de l'élite, de l'élite, c'est un contrôle pas absolu, mais en tout cas un contrôle des émotions. Que là, pour le coup, j'ai deux A, quoi. Ça transpire pas, ça rage pas, c'est extrêmement professionnel. Du début à la fin, quoi. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand ça va dans les hauts, etc. Quand voilà, quand t'as de la fougue avec toi, ça fait du bien, quoi. Mais le problème étant que, bah, du coup, dans les moments où ça va moins bien, tu t'attends à ce qu'il y ait de la fougue, il n'y en a pas. Voilà, c'était un peu un voilier sans vent, quoi. Là où les autres rament tout le temps, en fait. They're doing better on this map than the last one. They've got another round. They're making it closer, but still a bit disappointing. Okay, thank you very much, Titan. Ouais, bon voilà. Ils sont dans une logique de trash talk gentleman. C'est un peu. Je sais pas si c'est sa façon ou si c'est. Not a word I expected to hear. Mais ça marche en l'occurrence. C'est assez. Of a team who is, frankly, smashing their opposition. C'est marrant. Donc d'encadrement, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas comment ça se passe chez BDS. Les Kefa qui viennent prendre tellement de dégâts sur un truc qui semble être tellement simple. Oh là là. Nobody needs to make a move. A fake C4, ripped for Uno, a stun and a peek now. The opportunity open. Uno once again. Right into the bomb site. Key Uno over to take their time out. Has to. This is. And the problem he wants to get on. Hier, quand je regardais du coin de l'œil, ça donnait vraiment l'impression que. Que ouais, il y avait un souci, mais bon. And it's so many heroic players from T2 that steal it away. Ça se joue à pas grand chose, hein. Le score est pas vraiment représentatif du niveau présenté par les deux équipes, quoi. Is there anything left in it for BDS? That's my question on the back of that tactical.
we've barely seen a shade of the BDS that won a major in Sweden a year ago. Well, they have to do it now. It's now or never for BDS. This is map point and series point for G2 over to what is potentially the fight over horizontally, a little bit over inside of our library, but all not too much. Kill. And Doki finds an opening kill once again on the same goddamn window that he spawn picked Shaco previously. Is there anything left in it for BDS? Where are they? They've fallen asleep. They're letting G2 run all over them. J'ai deux joues bien, hein, franchement, mais bon, ils ont quand même eu le... Il y avait un truc. Je veux pas tomber dans la facilité de dire c'était pas leur jour, mais j'ai quand même envie de dire c'était pas vraiment le jour de BDS. Hier, je me disais, ouais, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des vrais trucs à changer, etc., machin... C'est pas aussi clair que ça, hein. Quand une équipe prend une pause tactique, l'autre équipe en profite aussi, du coup, non. Ouais, ouais. Ben just got to vacate his position, having felt the vertical pressure from down below, but he's found a safe haven inside the hallway. Meanwhile, on the other side, Breeda is having a look in onto the bomb site to see what he can find. And Benja can claim one back onto a lens. That was a player down in the basement. But here goes Leaky back in through the other side of the map. BDS players fall one by one. A nice nade from Renshiro, but Benja has relocated from that position already. And still, G2 can simply wait. This is desperation. You see that from Renshiro. No information. Desperate. Leakafak looking for an early pick, but G2 is not picking him as of yet. As I say that, he gets poorly timed, and Doki might be able to swipe him away. Great discipline here from G2. The only person looking for a pick has been Doki, but here goes Renshi on his entry in. Oh, really nice stuff there from Leakafak, from Renshi, and from Breeda. All three players have lit the spark for BDS and have brought it back. The fire is still alive for the French. Venture 1v3, but you can never count out G2. Could it be another clutch? How many have we seen? Too many to count. BDS, oh, hold your horses. Benja is ready to take the ones. The diffuser is down, but the Dane must 1v2. He's looking for it, but BDS are not giving it to him. And so he will wait. Attack. Move up slowly. Isolate these 1v1s. He has the information on Renshiro. He looks to get aggressive. Renshi's ready. He baits out the swing from Breeda, but nothing as of yet from BDS. They will not give him an opportunity. And they will close the door back on his face. Has been staved off, but it is a long mountain that they must climb to push us onto map 3. BDS still want to be part of the conversation. Je dirais pas que c'est de la chance pour de l'esport, je dirais plus de la réussite. Oh, chance et réussite, c'est la même chose. Hein. Ça veut rien dire réussite. En l'occurrence, moi quand je dis la chance, c'est pas juste le petit bonheur, la chance. Hein. C'est sur l'aspect probabilité statistique du mot, quoi. Titan was ever so confident about this map, Vito. He told us just a couple of rounds ago he was in disbelief that BDS would shake G2 confidence. G2 may be cocky, but you can't blame him if they're so dominant. G2 vient de perdre 2-0 en se prenant une comeback de 5-5 à 7-5 sur Oregon. Attends. Il y a combien là? Là, il y a eu les deux demi-finales, il y a eu combien? Non, il n'y a qu'une demi-finale. ?2-0 pour W7M. G2 est éliminé. Ils joueront la petite finale. Oh, c'est bien fait pour leur gueule un peu. Franchement. C'est un peu bien fait pour leur gueule.
7-2 consulat pour W7M et 7-5 pour W7M après un comeback de 5-2 pour G2. Certains diront que G2 a créé des timings, mais il a quand même des duels où c'est réellement de la chance. Ouais. On peut clairement dire que il n'y avait pas la luck du côté de même si ça ce n'est pas tout quoi, mais il n'y avait pas la luck du côté de BDS. Hein. Clearing out that castle barricade. Good options opened now for BDS, but Benja is still happy to. I just want to keep the options open here. They have turned their attention very much in towards the solar side. There are three floor or four players having a look at on that. Renshu as well as looking. Il y a un joueur de W7M qui a lâché un ruim. Un quoi? Dans le chat après avoir tué Doki. C'est quoi un ruim? C'est nul en brésilien. Ça fait bien fait pour sa gueule. Wow, franchement. Là, il prend les balles là. Là, il prend le surge. Là, il prend le surge. Finally opens the equation for BDS. Shaiko's in a great position as well. Alems looking to hunt down Alamau, who's already stolen his teammate, and he finds the kill. Back to a numbers even. Shaiko finds his kill on the Benja, but goes down for his trouble. He gets for the self-revive, but he will be punished. Doki on the bomb site. Him and Virtue must hold this down. Just safety inside this top floor, knowing that player has now fallen off. They have been afforded the vertical control that they want in onto the bomb site. But these two players of ils ont le time. Ils ont du drone encore deux. Merci Hunter Shiro pour les 6 mois, t'as un monstre poulet. Hunter-Shiro passé droit au campus. Make sure that Doki vacates his position, but will Bride be able to secure the kill as he makes his way on out? Or few shots taken, but not out. 13 kills for Doki so far, looking for a he finds it. Bride up against the worlds. This has been a game of clutches. But so frequently, it's G2, the name on our lips. Tough spot now for Bride. He's going to be met by the resistance on the other side. Bah là, ça proc pas. Hein. The core cannot find. G2, hold firm on this crossfire. Could this be it for BDS? A bit of damage. Oh, sweet! G2 are back in the semifinals. EU. Through in the European League for G2, a comeback through the last chance qualifier, and here proving in Atlanta they are the best team. Only to their mate. Back to France. Fight another day here in Atlanta. Ok. Bon alors, vous avez pensé quoi là? C'est quoi le verdict de la lose de BDS? En vrai, c'était pas si. C'était pas si... hier, quand j'ai regardé le résultat, je me suis dit, putain, 2-0, hein, ils avaient pas le... Ah, j'aurais bien aimé voir le... Ah le même match avec une journée de repos pour BDS entre les deux. Ça aurait pu être... Bon, après, c'est facile, hein, on va pas refaire le match pour le coup, mais voilà. Non, je partais dans des... Je me disais, ok, peut-être que c'est un tournant, peut-être qu'individuellement, il y a des gens qui sont à changer, c'est possible, hein, de donner un second truc et tout. Mais sur le papier, bon... Sur le papier, ce que j'aime bien, c'est rétablir le truc comme au poker entre un bon joueur et le mauvais joueur. Enfin, le bon move et le mauvais move, quoi. Si on refait 100 fois le match, est-ce que 100% du temps ou est-ce que 80% du temps, en tout cas ce qu'on définira comme étant un pourcentage trop important pour dire cette équipe est meilleure, est-ce que du coup G2 va gagner quoi? Je suis pas sûr en fait. En vrai, je suis pas sûr quoi. Je suis pas sûr que si on refasse 100 fois ce match,
On n'atteigne pas un truc qui soit pas au final relativement proche d'un truc balance quoi. Si ça se trouve, il y a 55% de chances que j'ai de gagne, 60% de chances que j'ai de gagne et 40% pour BDS. La question étant de savoir qu'est-ce qui fait que quel est le delta entre les 40 et les 50 ou enfin entre les 40 et les 20 en l'occurrence quoi. Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est il y a eu un problème sur le map ban, hein, puisque bon, on commence déjà deux fois sur des maps où on est pas en avantage, pas à l'avantage, hein, à deux reprises. G2 commence sur le bon side sur les deux maps, même si c'est pas super parlant sur chalet et même si c'est pas toujours parlant, c'est quand même voilà quoi. Hein, donc ça, en l'occurrence, pas mal de chance quand même, hein, comme au poker. Hein, il y a des fois où ça passe. Hein, tu n'as pas tous les... Même si tu essaies de faire en sorte que d'avoir tous les éléments pour prendre les meilleures décisions, bah, tu n'as pas tout en contrôle. Quoi. Et il y a quand même des fois où des moves qui ont été tentés par G2 auraient pu ne absolument pas passer. Quoi. Et ce n'est pas de la mauvaise foi. Hein, voilà. Donc... en soi, pas grand chose à dire. Hein. Je pense qu'à ce niveau de jeu-là, c'est. Je pensais vraiment, vraiment, vraiment que G2 avait roulé dessus, qu'il y avait une énorme différence de niveau, que G2 semblait, comme je l'ai mis dans mon tweet, totalement imprenable au final. En vrai, pas tant que ça, quoi. En vrai, pas tant que ça. Si on rentre dans le détail de chaque round et de chaque action, c'est pas. C'est pas aussi simple que de tout de suite essayer de trouver une solution de facilité en disant lui il est flingué, ils étaient fatigués, ou l'IKFAC pue la merde, ou Renchero n'était pas dedans, etc., etc. Un facteur chance pour G2, mais aussi BDS pas réveillé en début de leur match, ils se laissent manger, puis un peu un réveil. Alors c'est vrai qu'au début quand même, il y avait quand même ce truc de ça manquait un peu de pugnacité quoi. D'un autre côté, la pugnacité chez Echo et chez Renshiro, chez Bridé, c'est pas forcément des éléments qui sont les plus transparents, quoi. Même chez Elems, au final. Il y a que l'IKFAC qui a un comportement de une extériorisation des sentiments et une extériorisation de son envie de gagner, quoi. Bon. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt sur les décals, quoi. Il y avait quand même des décals qui semblaient un peu mou du genou, quoi. On avait l'impression que c'était un peu smooth, quoi. On a eu du mal un peu à rentrer dedans, et en plus, si c'est un truc qu'on aurait pu se permettre en étant en défense sur café, c'est un truc qu'on peut absolument pas se permettre quand on est en attaque sur café quoi. Il faut tout de suite être dedans, bam quoi. Premier round, première décale, premier drone, faut être dedans. Voilà, je sais pas, peut-être ouais, juste le début sur café, mais il n'y a pas une bonne solution, quoi. Il n'y a pas un truc qui permet de dire « Ok, c'est ça, et ça, ça fera que ça ne marchera pas. » Non, clairement pas pour moi. G2 vient de faire leurs meilleures impressions de BDS contre les W7M. Ah ouais, c'est ce qu'on vient de me dire, ouais. Un facteur chance pour G2, mais aussi BDS par réveil. Oui, hein, il se laisse manger, puis un réveil, mais de l'individualité, pas autant au niveau que G2, impitoyable sur ce match en général. Bah, mieux préparé, mieux reposé... peut-être un peu moins stressé, mais c'est l'impression que ça donne. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que quand tu regardais au tout début du match, t'avais quand même... Oh, t'avais des mines qui étaient un peu tirées et un peu fatiguées du côté de BDS. On sentait un peu un poids sur les épaules, quoi. Une envie de gagner, mais plutôt une pression de gagner. Là où G2, après, bon, ça peut être que les apparences, hein, donnait l'impression d'être pro. On est là, on fait notre maximum, on est prêt. Et puis voilà quoi. Mais une fois de plus, après, ce ne sont que les apparences et elles sont souvent trompeuses quoi. BDS gagnera le 6. Ah bah non, ils peuvent pas, ils sont éliminés. Ouais, j'avoue. Ah bah ça c'est notre paire de manches. Hein. Que veux-tu ? Les personnes qui sont invitées ou pas invitées en l'occurrence ou machin sur le Six Invitational, même en 2023, ça existe encore quoi. Et ça existait déjà en 2017. Donc 2017, ouais, le premier. Visiblement, il y a toujours des problématiques hein, là-dessus. Bref, bon, c'est là que je coupe la vidéo. Ciao YouTube, n'oubliez pas, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, surtout likez et commentez. Vous serez des monstres et indiquez-nous dans les commentaires justement qu'est-ce que vous avez pensé, pourquoi est-ce que BDS a perdu. Tchou tchou.